Yo, salut à tous, comment ça va? Démarrage en douceur. Mardi. Nous sommes mardi, 15h. Et l'émission démarre. Salut à tous, comment ça va? J'ai fait un petit check sur Twitch un petit peu, voir. J'ai pas l'impression d'être référencé au niveau de la chaîne. Attendez, je vais refresh. Non, est-ce que vous me voyez dans la catégorie poker, les gars? Je regarde live. Ok, l'alerte a fonctionné ici. Game, poker. Ouais, là, il y a marqué poker. Alors. Qu'est-ce qui se dit? Mercredi, pardon. Oula. Oula, oui, pardon. Pourquoi j'ai cru qu'on était mardi? C'est déjà la troisième émission de la semaine, là? Putain, je pensais que c'était hier la première, incroyable. Ah ouais, exact, on est mercredi. Autant pour moi. Merci Food d'être là. On est quoi? On est 7, petit démarrage, tranquille, mais c'est cool, il y a du monde. Toujours bien de voir qu'il y a du monde dès le démarrage. On va faire un petit récap d'hier. Qu'est-ce qui s'est passé là, les gars? Désolé, je viens de me lever. Vous connaissez hein, les démarrages de mes émissions, c'est toujours en douceur. Tant que le café n'est pas fini. Bref, alors. Alors comme d'hab, on n'a pas préparé grand chose. On va aller voir qu'est-ce qui s'est passé hier. D'ailleurs, je vais check le Discord un petit peu. Il y a un bet que j'ai pris, que je vous ai pas posté, qui s'est bien passé d'ailleurs, c'est le petit match nul, celui-là, là. J'avais mis 500 balles à 1,71 sur sportsbet.io, ça fait plaisir. Et là, je vous ai balancé un tips, là d'ailleurs, sur le match de... En Égypte, d'ailleurs, j'ai pas repeint celui-là, hein. On a pas mal sur l'under 1,63. Attendez, le match, il est où? Je pense qu'on va commencer tranquillement avec les codes boostés, les gars. Sur le point .fr, on va checker, voir s'il y a des trucs intéressants. Ouais, donc celui-là. D'ailleurs. Au passage, futur, j'ai parié sur l'under. J'ai pas parié sur le nul, car moi, je l'ai dispo à 2,96. Et non, 2,96, c'est pas value. Mais en revanche, ceux qui ont un compte en XBet ou autre, enfin, ceux qui vivent à l'étranger et qui ont un compte sur Marathon ou autre, franchement, à 3,34, elle est belle. C'est quand même, on se rend pas compte, mais en termes de ROI, c'est... Je crois que c'est du 11 ou 12% que si tu prends à 3,34 pardon, le match nul au lieu de 2,96. Clairement, ça fait la méga diff. Ah bah tiens, je vois quelqu'un dans le chat. Tiens, quelqu'un qui a jamais parlé. Que je connais un petit peu, tiens. Petit histo, tiens. Ça commence par un D. Ça va toi? Que fais-tu? Tu spy?
attendez. Bon, comment ça va vous sinon? Food, d'ailleurs, bravo, hein, j'ai vu ton ticket sur le Discord, hein. Les buteurs, ça y va en ce moment pour toi. Hein. En ce moment, les buteurs, Food, c'est... Tu as le pif en ce moment. Hein. À chaque fois, c'est des grosses cotes. Hein. Franchement, bravo, là. T'avais trouvé le buteur sur le match de Valladolid de Barcelone. Gonzalo Plata, VGG, quoi. Elle est belle. Qu'est-ce qu'on avait aussi? Rimon aussi, qui a noté... Franchement, Jérôme ou nul, elle fait plaisir. Bah d'ailleurs, dans les récaps, code boosté. Putain, dommage, code boosté. On n'est pas passé loin hein, sur les codes boostés sur le match de NBA de la nuit. Je crois que Tatum, en plus, marque 35 points au plus. Je crois qu'à 1 point, on passe pas la cote à 3. On passe pas la cote à 3.7. Elle est dure, celle-là. À 1 point, on la passe pas. Dommage. Mais bon, de toute façon, selon le marché, c'était value. Et puis d'ailleurs, je pense qu'on va commencer tranquillement avec ça. Aujourd'hui, avec les codes boostés. Voir un petit peu s'il y a des cotes qui sont trop hautes par rapport au marché mondial parmi les cotes boostées. Et puis, on va s'empresser de les prendre. Hein. Comme hier. Plus petit démarrage en vrai, hein, néanmoins là, on est 5. Et en vrai, je sais pas si Food, vu que toi t'es là et que tu réponds. Ah ouais, c'est bon, j'apparais. J'apparais dans la catégorie poker. C'est cool. Bon les gars, n'hésitez pas à écrire dans le chat, hein, c'est un chat interactif, c'est avant tout un talk. Donc on discute, on parle des matchs du jour, on parle de, bah, évidemment de foot, on parle des codes boostés, on parle des paris sportifs en général, on parle de tout ça quoi. Donc ouais, n'hésitez pas à participer dans le chat. Tiens, ça y est l'algo, je vais pouvoir mettre l'algo à jour là. Attendez deux petites minutes. Alors. Et puis on va rechercher des values aussi, voir s'il y a des choses intéressantes. Que ce soit sur les matchs d'aujourd'hui ou autre. J'ai commencé à tester la Chine justement. Je ne sais pas si vous le voyez là ici. Justement ici là. Enfin j'ai pique mais sans prendre le bet pour l'instant. Clairement, enfin... Il me semblait que là, les deux gros favoris, ils étaient un poil haut. Mais bon, après, pas évident à dire. Enfin, j'ai juste pick, mais sans parier dessus. La Chine, il va falloir que je me pense un peu plus dessus, d'ailleurs. Je vais un peu plus analyser ce championnat-là. Et puis sinon, comme d'hab, hein, vous savez qu'on est on est en place sur l'Argentine, première division, deuxième division. Brésil, Corée du Sud, première, deuxième division. Japon, pareil. Chine, on se penche dessus, on fera la MLS. Oula. Je m'en fiche pas mal. Salut, moi je joue au poker. Bah ça tombe bien, moi aussi c'est cool. On joue tous les deux au poker. J'y connais rien en Paris, mais comme beaucoup, et puis même moi j'estime que j'ai encore des tonnes de choses à apprendre. On peut tous apporter plein de choses. Bref, quand tu dis que tu prends un pari EV+, c'est en fonction du marché. Alors, ça dépend. Quand c'est les codes boostés, quand il s'agit des codes boostés, donc sur le .fr, hein, t'as des codes boostés de partout, hein, sur le tennis, le basket, le foot, sur plein de trucs. Quand je dis que je prends un pari EV+, donc sur les codes boostés, ça va être que la cote boostée, elle va être plus haut que le marché mondial. C'est-à-dire que on va prendre comme référence Pinnacle et les codes sur le .com en général, Betfair, beaucoup, s'il y a assez de liquidités. Et en gros, si jamais la cote boostée par rapport à l'intitulé sur le .fr, elle est plus haute que sur le marché mondial. Et ben, qu'est-ce qui se passe? Et ben, ça veut dire qu'on est au-dessus du marché. Et en général, si tu es au-dessus du marché, évidemment, en enlevant la taxe qui est prise sur les cotes, c'est-à-dire en transformant les cotes en un taux retour joueur à 100%, si jamais cette cote boostée elle est au-dessus des cotes mondiaux avec un taux retour joueur à 100%, et ben, on est face à un bet value. Alors évidemment, plus après les carrés grands, plus il y a value. Donc ça, c'est un pari EV+, en fonction du marché. Et après, j'ai pas compris ta remarque, tu te fous de la logique sportive? Comment ça, tu te fous? Je comprends pas trop la question. Et bref, donc ça, c'est sur les codes boostés, lorsqu'on est au-dessus du marché. Et ensuite, le reste, ce que j'analyse avec mes modèles prédictifs et tout, chose que j'essaie de travailler depuis longtemps, c'est en gros quand je vois une cote qui est juste, tout simplement, quand je suis pas d'accord avec le marché, quand je vois une cote qui est mal ajustée,
Et ben en gros, je me positionne parce que j'estime que ça vaut plus bas. Et dans ce cas-là, c'est value. Selon moi, alors dans ce cas-là, c'est beaucoup plus subjectif. C'est-à-dire que ça peut être value selon moi, mais s'il faut, ça ne l'est pas. Alors déjà, dans un premier temps, je peux me tromper. Ok? Donc ça, c'est fort probable. Hein. Je ne prétends pas détenir la vérité comme certains hein, là-dedans. Et on ne se prend pas pour un autre. Attends, je veux dire par exemple une cote boostée de Guignon qui gagnera à Paris. Tu la prends. Alors Guignon, alors qui joue contre Paris, il faut que ça soit une Coupe de France, il faut qu'il y ait un truc particulier. Bah, ça dépend à combien est la cote. Imagine, alors vas-y, on va prendre un exemple. Donc j'imagine que tu veux me dire Paris contre une équipe éclatée en gros. Paris contre, allez, on va prendre une, voilà, Paris Châteauroux. Paris Châteauroux. Bah forcément, on se doute bien qu'a priori Paris, ils ont 99% de chances de gagner. Enfin, bon, je te fais un peu au pif, hein, mais tu comprends l'idée. On se doute bien que Paris va être à 1,01. En revanche, imagine, je vais te prendre un cas extrême, du coup, un Châteauroux, j'imagine que leur cote va être à 80 ou 100. Allez, j'exagère, hein, mais on va dire que leur cote est à 100. Si quelqu'un me propose cote à 1000, bah ouais, je vais la prendre. Alors évidemment, je vais mettre une mise très petite. Mais forcément, si le marché dit que, par exemple, Châteauroux à Paris va gagner une fois sur 100, et qu'on me propose une cote à 500 ou 1000, et ben dans ce cas-là, oui, il y aura value. Alors évidemment, ça va tellement jamais arriver que bah, qu'il faut mettre une petite mise, quoi. Faut se dire que l'argent est perdu, mais en soi. Moi en fait, mon approche, je m'en bats les couilles de. Je m'en bats les couilles du. Comment dirais-je? Du côté sportif. Évidemment, faut le prendre en compte, et je le prends en compte dans mes modèles et dans mes analyses. Mais clairement, moi, c'est la value qui prime. Enfin, c'est la cote, elle est value ou pas value en fait. Et moi, je me positionne en fonction de ça. Alors évidemment, tu mets pas la même mise sur une cote à 1,5 que sur une cote à 50. Voilà, même si je prends jamais de cote à 50, mais t'as compris l'idée. Et aussi en fonction de la value. Par exemple, hier, j'ai pris sur le match au Brésil, j'ai pris l'under à 1,71 sur sportsbet.io à 1,71. Je sais plus à combien ça finit, je crois à 1,64. Enfin bref. De toute façon, même en enlevant le taux retour joueur, on était au-dessus du marché. Et puis ouais, pour moi c'était value, et bon, voilà, le bet il est passé, c'est cool. Après voilà, faut pas. C'est pas parce que le bet il a gagné que c'est un bon bet, c'est pas parce que le bet il est perdu que c'est un mauvais bet. En tout cas, je m'en fiche pas mal, n'hésite pas à rejoindre mon Discord, n'hésite pas à suivre surtout mes lives, que je mets aussi en replay sur ma chaîne YouTube, les gars. Ce qui permet, au moins pour ceux qui peuvent pas voir en direct, ce qui est normal, bah de pouvoir suivre mes lives, suivre un peu ce que j'ai annoncé. Je vais essayer un petit peu plus de les poster sur Twitter d'ailleurs. Je vais essayer. J'avoue que j'ai du mal à faire du contenu et tout. Mais là, vous voyez, bon, celui-là, je l'ai posté, hein, vous voyez l'Egypte. Moi, pour moi, Under 1,63, c'est un poil haut. Pas la value du siècle non plus, mais c'est un poil haut. Clairement. Voilà, regarde ce qu'on avait fait sur Twitter. Bah ça, c'était le récap de hier ou d'avant-hier. Du coup. Non, non, bah c'était hier. C'était hier, clairement. Ouais, tu vois, on a vu que j'avais pris d'ailleurs en live. Hein, vous pouvez revoir le live. Je l'ai pris sur Pinnacle. Ou sur Dreambet, je sais plus, Molybet, mais bref. J'ai pris Gironde, Asian Handicap plus 0,5, ce qui correspond à Girona ou match nul contre Celta Vigo à 1,86. Et d'ailleurs, on peut voir, hein, Girona, elle est où? À combien ça a fini? Alors, j'ai pas battu la cote de fermeture de ouf, là, pour le coup, hein, je t'avoue. Mais pour moi, même avec la cote de fermeture, j'étais pas méga ok. On voit que ça finit à 1,81. Bon, on était au-dessus, c'est cool. Bon, après, en soi, si t'enlèves le taux retour joueur. Selon le marché, c'était probablement un bet EV0. Mais pour moi, c'était EV+. Clairement, pour moi, Celta Vigo était un poil trop bas. Surtout au vu des absences avec Aspas qui a pas joué. Enfin, qui était sur le banc. Ça a fini à 2,12. Je crois que je l'avais donné, c'était à 2,10. Enfin bref, il y a eu très peu de mouvements de cote. Dommage d'ailleurs. Hein, c'est d'ailleurs tout l'intérêt aussi d'essayer d'analyser les matchs. Aussi le plus proche en early market, le plus proche des openings. Enfin, des cotes d'ouverture. Après, en soi. Si je vous le fais pas, c'est pour deux raisons. GG pour Gironde ou nul, on a bien analysé. Bon, après, le bet, il est passé, c'est cool. Et certes, il me semble qu'en voyant les stats, c'était plutôt très équilibré comme match. Il me semble, je suis pas sûr. Mais bref, le Bibitzer, ça fait plaisir, comment ça va? C'est cool. Le son, vous l'entendez bien ou pas, là, où il est trop bas, trop haut, comment on est? Ça y est, on est 11, il y a un peu du monde. Que dire? Attendez. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à saluer dans le chat, à parler. On discute tous ensemble. Je vais checker les codes boostés. J'ai envie de commencer par ça en vrai. Alors, data.
Ça faut que je mette à jour. Attendez, je mets juste un petit truc à jour sur l'algo, comme ça au moins ça va me permettre aussi de pouvoir chercher des bêtes aussi avec vous. Hier d'ailleurs, j'ai analysé hors stream, j'ai analysé toute l'Argentine, hein, la première division, enfin la prochaine journée, je veux dire. Brésil série B aussi. J'ai pas fait Serie A d'ailleurs. Et donc en Argentine, ouais, j'ai trouvé pas mal de trucs. Et d'ailleurs, vous pouvez le retrouver, hein, les gars, sur mon compte Picchio. J'essaye de piquer, enfin de poster des bêtes aussi un maximum. Alors attendez, allez, je vais mettre ça à jour. Alors. Non mais c'est cool, hein, l'émission prend bien les gars, hein, on est là, hein, tous les jours du lundi au vendredi à partir de 15h. C'est avant tout un talk, c'est avant tout un talk, on discute, le chat, nous tous ensemble. Et puis évidemment par la suite, il y a toujours, on va dire dans cette émission, deux fils conducteurs, c'est les codes boostés sur le .fr, sur les matchs du jour, voir si on trouve éventuellement des values en direct. Comme hier d'ailleurs, hein, sur le match, les gars, on a trouvé sur... Yo GPN, comment ça va? Rimon, nickel, food, top. Comment ça va les gars, c'est cool. Attendez, je crois que je l'avais posté sur le Discord dans les codes boostés. Ouais, la code boostée Celta Vigo contre Gérone. Gérone gagne ou fait match nul. Et les deux équipes marquent cote à 3.10. Elle est passée aussi, c'est cool les gars. J'espère que celle-là, vous l'avez suivie. C'était un bet limité à 50 balles. Bah, il y a ça, en gros, sur le match de Gérone, plus l'Asian Handicap, Gérone ou nul, que j'ai pris à 1.86. Et donc ouais, c'est cool les gars. Et donc ouais, la value du moment, ouais, donc là, le match de futur, donc le match d'Egypte, ça, on l'a vu. Et puis c'est cool, hein, rejoignez le Discord, qu'on discute tous ensemble, qu'on donne nos avis. Ici, il y a... c'est de l'humilité, j'ai envie de dire. C'est, on n'est pas là pour faire genre, ouais, regardez, on est les meilleurs, on est ci, on est ça. Au contraire, c'est un stream grand public, ouvert à tous. Et justement... merci d'ailleurs, je m'en fiche pas mal, qui ose parler en se disant qu'il connaît rien en Paris, mais on s'en fout en fait. Enfin, le but c'est pas de parler entre experts entre guillemets, hein. On s'en fout les gars, c'est justement tout le monde donne son avis, on discute. Moi j'estime que à quelqu'un qui arrive et qui connaît rien en Paris sportif, on peut, enfin moi je peux apporter, j'estime énormément de choses de par mon expérience dans le betting, clairement l'expérience que j'ai eue là, que ça soit depuis 4 ans où je travaillais pas seul, et maintenant depuis 2 ans que je travaille tout seul. Alors. Ruggeri gagne 2-0, 4.5, c'est où que tu l'as vu? C'est une cote boostée ou pas? Dommage que tu étais pas là. 20 euros à bet sur grosse cote boostée Wina. Et la même sur Parion Sport. Ah oui, sur Parion Sport, j'ai pas pris. Hein, sur Butler et Tatum, plus de 25 points, je voulais avoir ton avis. Ah mais je l'ai, tu veux dire la cote boostée Wina dorée là? Oui, fallait la prendre, hein. Ça c'est du no-brain les gars, désolé je l'avais pas posté sur le Discord, mais ça faut prendre, c'était du no-brain, hein. À 2.5, ouais bah on parle bien de la cote limitée à 10€, non? Yeah, yep, ouais bah bon, moi ça a été pris, hein. Ça a été pris. La cote boostée de Escoffier. Ah bah ouais, la GCB, c'est à prendre à volonté, les gars. C'est, encore une fois, les gars, en moyenne, c'est la pièce de 2€ ramassée par terre en EV, les gars. Tu mets 10€, tu gagnes 12, donc 2 nets, voilà, en moyenne. Même si c'est plus du 2,50, mais bon, on s'en fout. Tatum qui met que 33 points, il en a pas mis 34? Ils ont sorti la même sur Parion Sport. Ouais, bah fallait être réactif. Moi, personnellement, j'ai du mal à être réactif sur Parion Sport. Et souvent, donc, ils sortent la code boostée value limitée à 10€. Le problème, c'est que j'arrive pas à la prendre. Alors, je me prends pas la tête. Hein. Si je suis là et que j'arrive à être réactif, je la prends. Mais sinon... Et puis, ça sert à rien de la poster, en vrai, parce que... Ah, 33 pour Tatum, ok. Bah, les gars, à 2 points près, on passait la code de PMU à 3.7, qui était value, clairement, même en code de fermeture. J'ai regardé, c'était au-dessus du marché. Donc, c'est cool. C'est cool, alors qu'est-ce qu'on a? Ouais, donc sur ce match, comme je vous disais tout à l'heure, hein, moi ici, la ligne de value, elle est clairement sur le match nul, alors pas sur Pinnacle. Moi, malheureusement, j'ai pas accès à ces cotes. Pourquoi? Parce que sur mon compte en XBet, j'ai été limité. Ils m'ont enlevé 4% de taux retour joueur. D'ailleurs, on l'avait check en direct sur mon compte en XBet.
qui a été limité bon, depuis un moment. Donc j'ai pas les mêmes codes que entre guillemets tout le monde. Mais d'ailleurs ça va être le cas pour tous, hein. Un XBET, si tu commences à leur prendre trop d'argent, en fait eux ils te limitent pas, mais ce qu'ils font, enfin en tout cas ce qu'ils ont fait sur mon compte, c'est voilà, peut-être que vous l'avez à 3,34, moi je l'aurais peut-être à 3, tu vois. Tout dépend, mais en tout cas ils réduisent le taux retour joueur. Et ici, bon, il y a eu zéro mouvement sur le nul. Enfin, en tout cas, par rapport au moment où je l'ai pris. Mais clairement, pour moi, s'il y en a qui veulent placer un ordre à RobitX pour essayer de gratter, pour l'avoir même plus haut que moi, pour moi, c'est value. Donc, moi, je me suis positionné là-dessus. Tu pourras regarder la CB Wina Rudjari. Ok. Et on... Bah, de toute façon, on va regarder maintenant. Vous savez quoi, on va toujours maintenant commencer par les codes boostés. Par les codes boostés, c'est ça. Donc, tu m'as dit Wina. Ok, Rud et Jari gagnent chacun leur match 2-0. Bah ça c'est très simple. Yo Mutos, comment ça va? J'espère que t'es en forme. Ça va, franchement début tranquille. Je t'avoue Mutos, début peut-être dans le fion encore. On est un peu... Alors attendez, ils ont sorti, tu pourras regarder la CB. Ouais donc je le regarde maintenant. Après je vais aller sur PMU parce que sur PMU en général il peut y avoir des sacrés spots à prendre. Trop d'argent c'est-à-dire... Mais j'ai pas compris GPN, peut-être que j'ai fait une remarque, peut-être que j'ai dit une connerie ou peut-être que je me suis mal exprimé sur quelque chose. Alors, donc bah là c'est simple, hein. On va aller donc sur Rude Jari. Rude. C'est Rude contre Rude Wolf et machin. Donc ils gagnent chacun 2-0. Bah déjà on va prendre la cote forcément de... du 2-0. Donc là ici on a un taux, on a 1,74. Ah la cote elle est montée par rapport à l'ouverture. Allez même si on transforme en 100%, on va prendre un 77, un 78, on va prendre comme référentiel. On va prendre un 78 et Jari. Allez, qu'est-ce que ça dit? J'ai cliqué sur Jari N, mais est-ce que c'est bien ça? Oui, Jari Nicolas, c'est ça. Alors, donc on a dit 1,77, 1,78, et on va le multiplier par... Oula, alors là c'est sûr que c'est pas value. On a du 2,51 avec un TRJ, on va prendre, ouais. Bon, on va prendre 2,66. 2,66 fois 1,77. On obtient du 4,70, c'est pas value, les gars. J'obtiens du 4,70, alors j'ai un peu arrondi, hein. Enfin, j'ai un peu arrondi. Pas de beaucoup, non. J'obtiens moi du 4,70, les gars. Salut Enios, Franck et le chat, merci d'être là. Salut à tous. Je suis trop excité aujourd'hui. Et ben tant mieux, Jonathan, mais pas trop vite. Hein. On se détend. 4,50, bah, en soi, c'est 4,50, c'est une cote. Ça peut être une cote alléchante, mais moi, j'obtiens du 4,70 ici. Alors après, à voir. Si jamais, entre-temps, vous voyez que la cote, il y a une des deux cotes qui chute énormément, c'est-à-dire que si Jari. La cote de Jari ou Rude, si jamais leur cote chute drastiquement, et ben c'est possible que cette cote passe value, mais en tout cas là, en me référant au marché. Ici, j'ai pas de value, j'obtiens du 4,70 les gars. Je vais aller là d'abord. Yo, Paparieur, ça fait plaisir, merci d'être là Paparieur. Grosse commu sur Twitter et Discord notamment. Je crois que c'est d'ailleurs la plus grosse commu de parieurs francophones, hein. Paparieur si je dis pas de conneries. Dites-moi si je me trompe. Alors, Fiona Ferro, la sœur de Cyril, bien sûr. Alors, elle qui gagne de 7 à 1. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Fiona Ferro. Elle qui gagne de 7 à 1. Ah, mais non, ça, là, faut que j'aille sur Betfair, pardon. Faut que j'aille sur Betfair. Alors, attendez, je vais vous dire combien ça vaut. Donc elle gagne 2-1, donc c'est score exact. Ah non, je l'ai aussi sur score exact 2-1. J'obtiens, alors sur William Hill, il est à 4.2. J'ai du 4.2, BetClick à 4. Et attendez, là on a du combien? Ah 3.8, ouais, ça c'est du scam les gars. Les gars, on est sur du scam, sur la super code boostée Roland Garros. Ça dégage, c'est du scam. Donc... Ouais, c'est exactement, honteux. Comme dirait... ouais, c'est honteux. Bah, c'est honteux un peu comme toutes les codes boostées, les gars. Faut pas croire, hein. C'est vrai qu'on pourrait se dire, les gars, code boosté, c'est génial. Ah ouais, c'est boosté, donc c'est sûr que... Genre, c'est un cadeau, entre guillemets, de la room. Mais pas du tout, hein. La plupart...
La plupart, vous vous faites bien des glingues. Ça envoie du son. Hein. Alors, attendez. Il y a eu peut-être des remarques en grande forme. Ah ! En grande forme, j'ai beaucoup matché ce midi. J'aimerais ton avis, mais je te laisse dérouler ton plan. Tes plans, ça marche, Mutos. J'espère que ça se passe bien pour toi. Non, j'ai pas loupé de questions, a priori. On est combien, là ? Putain, on est 22, c'est cool. Là, il y a du monde. N'hésite pas à parler, Dude. Hein. Dude 1950, je pense que c'est bien toi. Je pense qu'on se connaît, non ? On se connaît bien, non ? Non, ou t'as coupé le son. N'hésite pas à parler dans le chat, hein, d'ailleurs. Yo, il y a du monde, Virtua. Franchement, ouais, c'est cool, les gars. Bon, on va continuer. Donc, pour l'instant, il n'y a pas, bon, il y a pas de quote intéressante. On vient de démarrer l'émission, hein, les gars. Ça fait même pas 30 minutes. Ah ouais, putain, pas par ailleurs, d'ailleurs. Haha, si on se connaît. Désolé, je suis au taf, je t'écoute. D'accord, hein, Dude. On a eu des différends, d'ailleurs. Hein, pas qu'un peu, hein. Je l'ai encore là, hein. Mais bon. Yo, Sharky38, comment ça va ? Comment ça va du côté de Grenoble ? C'est cool. Merci, ouais, d'ailleurs, pas par ailleurs, ouais, j'ai vu passer que, ouais, que t'as des soucis. Rétablis-toi bien, j'espère que tu vas t'en remettre très très vite, pas par ailleurs. D'ailleurs, allez le suivre sur Twitter, parce que je vois qu'il fait beaucoup de jeux concours en plus. Il a beaucoup de partenariats, il fait des jeux concours, il fait gagner des choses, donc allez-y, hein, pour ceux qui veulent participer à des jeux pour gagner diverses choses et variées. Allez le suivre sur Twitter et le soutenir. Enfin, j'aime bien, je dis ça moi avec mes 20 viewers simultanés, alors que lui, il en a des abonnés, il en a 30 000 ou 40 000, je sais plus. Ah, il y a la cote boostée sur Winna Brighton City, qui est value, je pense. Bah, tu sais quoi, on va y aller. Alors, tu disais quoi ? Alors, après City. Ah, tu veux dire celle-là ? Manchester City gagne et. Bah oui, de toute façon, il n'y a que celle-là. Manchester City gagne et plus de 1,5 buts dans le match. Alors, il va y avoir un truc qui va être casse-couille sur ce match. C'est que je pense que... il me semble que City joue plus rien. Hein, ils sont champions, les mecs. Hein. Si t'es champion... Bah oui. Bah, si t'es champion, appuie sur le champignon, hein, j'ai envie de te dire. Eh oui. Hello, bonne journée, le Franck. Yo, et Kizm, ça fait plaisir de te voir. Merci d'être là. Eh ouais, les mecs, ils jouent plus rien. Hein. Enfin, ils jouent plus rien. Pardon, City, vous voyez pas mon écran ? City, Brighton, eh ouais. Non mais t'as bien fait, merci Virtua Champ de regarder par rapport aux cotes et de suivre les plans pour voilà, savoir calculer. C'est ça qui est important. Au final, une cote boostée, au final, ce que je fais, il n'y a rien de dingue, hein, les gars. Ce que je fais en direct, il n'y a rien de dingue. Alors évidemment, ça prend du temps. Il joue la gloire, c'est ça. Mais en fait, on peut regarder si c'est value ou pas. Manchester City gagne et les deux équipes et plus de 1,5 buts. Après, Brighton, le match, il est juste méga important pour eux, quoi. Tu vois, pour aller jouer la promotion, hein, l'Europa League. Ici, on a, voilà, enfin, le match est trop important pour eux, quoi. Pour Brighton, donc déjà, alors j'imagine qu'entre-temps, forcément, il y a eu des mouvements de cote de fou. J'imagine que City a dû sortir à 1.5 et là, c'est à 2.1. Alors, on dit ça au hasard, mais on verra. Pinnacle. Ah non, c'est sorti. Ah, c'est sorti au direct, ok. Bah parce qu'au moment de la sortie des copes, peut-être qu'ils étaient déjà champions. Faudrait avoir les compos, ouais. Après, bon, City, ça reste machine de guerre. Hein. City vont mettre l'équipe B. Franchement, là, les gars, j'ai même pas... Enfin, faites comme vous voulez, mais j'ai même pas envie de check. Quand il y a des situations comme ça, des configs, même si, admettons, c'est au-dessus du marché actuellement ou quoi, enfin, imaginez, c'est la cote boostée Winna, elle est value par rapport au marché... S'il faut le marché, il va complètement se déglinguer et faire chuter grave la cote de Brighton. Du coup, c'est un peu casse-couille, la vérité. Bah voilà, le Barça hier, c'est un parfait exemple. Bon, après, enfin, exemple. Après, faut pas être result-oriented sur la partie. Mais, et d'ailleurs, moi, j'ai parié en tout début de match. Je regrette un peu parce que, enfin, même si c'était value par rapport au marché, j'ai parié sur Unibet. Lewandowski premier buteur cote à 4.4 alors que c'était au plus haut à 4.3 je crois, enfin par rapport au marché mondial et tout. Mais en fait, enfin en soi, est-ce que c'est un bon pic ou pas ? C'est pas parce que c'est value par rapport au marché que c'est forcément 100% du temps un bon pic. Évidemment que sur le long terme, ça va se glisser. Et si à chaque fois tu piques au-dessus du marché, tu vas gagner. Mais il faut quand même faire le distinguo avec certaines cotes, enfin certains
Là, pour le coup, l'impact de l'enjeu, voilà, on va prendre l'exemple de Brighton City, les gars. L'impact, faites comme vous voulez, hein, mais moi, personnellement, je vais même pas prendre et ni checker sur ce match, la Côte Boost et Wina, pour le coup, enfin, c'est méga particulier, quoi. City, autant, ils vont, a priori, mettre l'équipe B. Enfin, ils sont champions, les mecs, ils ont fait la fête, là. Enfin, je sais pas depuis combien de jours, officiellement, ils sont champions. C'est, ça, c'est une bonne question, aussi. Vu que le match, il est maintenant, s'il faut, c'est officiel depuis, je m'en rappelle plus, putain. Une semaine ou autre, enfin bref, hein, c'est compliqué. Là, City, ça y est, ils sont en roue libre, tu vois. Alors encore une fois, ça veut rien dire. S'il faut, ils vont jouer le match à fond, ils vont les éclater. Depuis la défaite d'Arsenal, exact. Ah. Dude, j'ai vu que tu utilises Ananès. Je préfère ce site. Ah bah, envoie-le-moi en MP, on peut pas envoyer des liens. Envoie-le-moi en MP parce qu'on peut pas utiliser des liens sur ma chaîne, pardon. J'ai enlevé l'option des liens. Non, t'inquiète, hein, tu savais pas. Enfin, je préfère que les gens mettent pas de lien, on va dire. On sait jamais, hein. Parce qu'en plus, il suffit que j'ai un moment d'inattention, il y a quelqu'un qui balance un lien mal intentionné, on va dire. J'ai pas envie que ça capote. C'est où MP, Twitch ou Instagram? Enfin, comme là où tu m'as écrit, tu me l'envoies. T'inquiète, hein. De toute façon, Twitter, tu peux même me l'envoyer sur Twitter. Guardiola, il va laisser le match, vous croyez? Ben, c'est compliqué. En fait, on est dans le flou. Alors, GPN, je pensais que tu ne pouvais pas être limité en mise sur le point com, ça dépend. En fait, t'es limité de partout à un moment donné si tu gagnes trop, sauf sur Pinnacle et Betfair, pour le coup. Pinnacle et Betfair. Parce que, de toute façon, Betfair, c'est joueur contre joueur, donc forcément... Eh bah oui, en plus, bah oui, ils ont une finale de Ligue des Champions à préparer, en plus, ouais, c'est vrai. Mais bon, bah justement, bah raison de plus pour bien faire reposer les cadres et pour prendre ce match un peu à la légère, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on a vu... Oh, je vais retourner sur PMU pour aller vite. Ah bah tiens, on a des super codes boostés sur Brighton City, on va voir ce qu'ils nous proposent PMU. Et pareil, hein, j'ai même pas envie de le checker, City qui gagne 1-0, 2-0, 3-0, alors que les autres, ils ont un match, ils vont être morts de faim, c'est le match qu'ils doivent gagner. Alors, pour répondre à GPN, c'est ce qui est quand même une remarque très intéressante de GPN08. Gagner trop, tu entends quoi? Plus de 10k par exemple? Moi, sur un XBet, j'ai up approx 3k avant qu'ils me fassent leur délire de baisser les cotes et d'avoir des cotes plus basses que tout le monde. Dans un XBet, 2-3k, on va dire. Allez, pour fourchette large. 2-3k, donc avec. Et j'ai retiré et tout. Hein. Enfin, j'ai pas eu de problème. 3k, ils m'ont ken. À l'époque, lorsqu'on était stacké par un gars, enfin bref, était stacké par un gars en Angleterre, marathon bet, je crois qu'ils m'ont limité à la vitesse de la lumière, je peux pas te dire combien. Après, c'est vrai que je parpinais, c'était des gros parpoints que je mettais sur ces comptes-là, mais marathonbet.com, moins de 3K, c'est sûr, j'ai été très très vite limité. William Hill, pareil, alors William Hill, ça a mis plus de temps pour limiter. Mais là, je pourrais pas te donner un chiffre exact, mais William Hill, ils ont mis plus de temps, mais je sais qu'on les, enfin, voilà, on les avait crush à l'époque. Et BetSafe aussi. Pareil, BetSafe, ça a été, il s'est coulé du temps, quoi. Donc, j'ai pas de chiffre exact. Sur le .fr, après, à l'époque, je me rappelle, ceux qui m'ont limité le plus vite, c'était TheBet.fr. Eux, ils m'ont limité vraiment à la vitesse, pareil, de la lumière, mais en même temps, à l'époque, ce qu'on faisait, c'était qu'on mettait très très cher sur par exemple, TheBet. En early market pour trade et lay sur Betfair. Donc en soi, je les comprends. Enfin, je veux dire, déjà que faut savoir qu'il y a un truc où je les défends, entre guillemets, les bookmakers français, je vais vous le dire. Et d'ailleurs, je voulais montrer, c'est que vous savez que quand vous prenez un match, même sur Pinnacle, qui limite pas les gagnants, vous avez le bet max qui est limité, les gars, hein, par rapport à une cote donnée, en fait. C'est-à-dire que si on va prendre un match... franchement, faudrait que je vous montre un petit peu en prenant un match éclaté sur PS38-38. Qu'est-ce qu'il y a comme match éclaté qui peut... Attendez, je vais regarder un petit peu qu'est-ce que je peux vous montrer sur Pinnacle. Et en plus, sur mon compte PS38-38, en plus, j'ai les limites plutôt hautes, on va dire. Enfin, les vraies limites de tous, quoi, en termes de betmax de nouveaux comptes. Qu'est-ce que je peux vous donner? Attendez, qu'est-ce que je peux vous trouver? Genre un match éclatax. Attendez, hein. Genre USA, USL, League 2. Genre vraiment... Ah bah non, les matchs sont finis, merde. Attendez.
Ah bah tiens, on va prendre un match de République Tchèque, deuxième division. Genre, on va aller... Alors, je vais vous prendre Příbram contre... Allez, vas-y. Juste pour vous montrer. Hein. Donc là, on va être à Příbram. Voilà. Alors, c'est deuxième division République Tchèque, les gars. Alors voilà, on est sur les 1x2. Alors attendez, le match, il est dans pas longtemps en plus. Hein. On est que 1h30 avant le coup d'envoi. Je vais parier, allez, sur Asian Handicap... non, Under. Bon, là, pour le coup, les limites... Ah, les limites, ce sont pas mal. Mais bon, là, on peut mettre 420 euros, en gros, à cette cote. Sur l'Under 3, je peux mettre 420 euros maximum. Maximum, alors qu'on est que, mine de rien... Je pensais que ça allait être moins, pour vous dire la vérité. Mais alors qu'on est que à 1h30 du coup d'envoi. Donc, on est vraiment très proche. C'est vraiment là où il y a le plus de liquidité. C'est-à-dire que le mec, en République Tchèque, deuxième division, là, on est à 1h avant le coup d'envoi, 1h30. Si le mec... Il est riche ou je sais pas, il veut poser 1000 ou 2000 euros sur cette cote à 1,71,4 sur l'under. Eh ben, il peut pas le gonze. Il peut pas. Alors, Pinnacle, donc ça c'est Pinnacle hein, en gros. Il ne limite pas les gagnants. Mais en gros, faut savoir que du coup, ce genre de marché, il va être complètement délaissé par, entre guillemets, les top regs. Donc les top regs, c'est ce que j'appelle les mecs qui vivent vraiment du betting et qui mettent du 10 000, 20 000 euros, 50 000 euros sur un match. Là, sur Pinnacle... Si jamais je mets 420, alors, bon, de toute façon, je vais pas cliquer. De toute façon, j'ai beaucoup de bêtes en cours sur le compte et donc, j'ai même pas 420 euros actuellement dessus. Mais en gros, si je mets 420 euros, je vais faire chuter la cote, d'accord ? Je fais chuter la cote et en gros, je pourrais remettre 420 euros probablement, mais à une cote du coup inférieure. Et en fait, c'est comme ça que se régulent les cotes sur Pinnacle. C'est-à-dire que les cotes sont régulées en quelque sorte par les joueurs. Et pas besoin d'être... Moi, j'ai déjà entendu des mecs qui disent « Oui, mais non, faut être gagnant sur Pinnacle pour faire bouger les cotes quand on fait Betmax. » Eh ben écoutez, moi, je suis pas d'accord. Car moi, dès le début, j'ai eu 2-3 comptes en plus sur PS3838 et d'autres trucs. Eh ben écoutez, je vous promets que dès le début, dès que je mettais Betmax, dès que, par exemple, le Betmax, il était à 200 ou 100 ou quoi, dès que je mettais Betmax, la cote chutait. Et alors... Donc ça, pour moi, c'est une fausse croyance. Pour moi, c'est quelque chose de pas forcément vrai. Le fait que moi, dès le début, je faisais chuter les cotes et pourtant, Pinnacle pouvait pas se dire « Ah ouais, mais non, mais lui, c'est sûr, il a pris un bon bet, il est gagnant ou perdant, enfin, j'en sais rien. » Donc, au final, gagnant ou perdant, alors, après, peut-être que si t'es perdant de beaucoup, je sais pas. Ouais, c'est pour ça que les cotes chutent, car des gens bêtent 50K sur un match. Non, mais même là, bon, là, je peux pas le faire, mais en gros, si je mettais 420 balles, le bet max 1,71... la cote elle chute derrière en fait, donc ça veut dire que le mec qui arrive et qui veut mettre 5 000 euros, putain la cote elle est 1,71, 5 000 euros, tu peux pas. Donc je comprends les bookmakers FR qui te limitent très vite lorsque ben dès le début tu mets des 5 000 en early market et tout, parce que même sur Pinnacle tu ne peux pas mettre à telle cote 2000, 5000, 10 000 sur une cote en particulier. Alors après, là où ils sont évidemment absolument dégueulasses les bookmakers FR, mais vraiment ça c'est éthiquement c'est ce qu'il y a de pire. C'est que bon, ils limitent les gagnants, moi ça me choque pas. Je dis la vérité, ça me choque pas. Parce que tout le monde le fait et tout. En revanche, ils devraient limiter un peu tout le monde. Dans le sens où je m'explique, j'en parlais d'ailleurs vendredi sur la chaîne de Richou, les gars. Et d'ailleurs, je trouve que c'est pour moi la meilleure solution, c'est qu'ils devraient s'inspirer un peu les bookmakers français de Pinnacle. C'est-à-dire que je pense que pour tout le monde, à chaque fois quand il y a une cote qui sort en early market, je pense qu'ils devraient limiter, mais pour tout le monde. C'est-à-dire, par exemple, on peut mettre que 300 euros sur cette cote. Par exemple, hein, ou ça peut être 500, mais on s'en fout du nombre. En gros, c'est juste qu'ils limitent. Et comme ça aussi, ça fait de la prévention pour les joueurs perdants addicts que à telle cote, eh ben, les mecs, ils pourront parier que 300 euros et pas 100 000. Parce qu'il faut pas croire. Hein. Il y a des mecs complètement addicts sur le point FR qui sont complètement possédés. Les pauvres, ils me font de la peine. Et là, les bookmakers, ils protègent en aucun cas les joueurs, même s'ils font de la prévention. Hein, on protège, soyez pas addicts, appelez ce numéro et tout. C'est... de l'hypocrisie totale. Pourquoi ? Parce qu'ils te laissent un mec en détresse. Alors certes, il y en a des fois, ils ont des sous, ils peuvent se permettre de les perdre et tout, mais t'en as, ils font des prêts pour pouvoir mettre 50K sur un match et ils se mettent dans des merdes pas possibles, ils finissent à la rue. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est empêcher les joueurs perdants sur le point FR, il faut les empêcher qu'ils puissent foutre 50 000, 100 000 sur une cote. C'est ça en fait. En soi, du coup, je dirais que c'est le meilleur moyen de faire de la prévention. Pas que certains joueurs complètement possédés, les pauvres, et encore une fois j'ai beaucoup de peine et franchement dans ce milieu il y en a beaucoup qui finissent très mal,
eh ben, ça les empêche de mettre, de poser gros, quoi. Parce que c'est facile, hein. Le mec, il est down de 500 000 euros sur le compte ou 100 000 ou 50 000. Ah ben oui, hein, lui, on lui laisse poser 10 000 sur des codes de merde gravement. On le laisse poser 10 000, 20 000. Ça, c'est pas normal. Et à côté, le parieur gagnant, on le laisse mettre zéro. Bah ça, c'est pas normal. Donc moi, je pense... En plus, ils vont pas perdre beaucoup en termes de V. C'est-à-dire que si le parieur gagnant, il peut quand même poser son 300 balles sur sa cote à 2 qui l'estime value... Si on le laisse poser betmax 300 balles, et pareil, hein, le parieur perdant, donc du coup, il peut mettre que 300 balles, et ben ça permet vraiment de protéger énormément les joueurs perdants, de beaucoup, vraiment, au moins ils perdront moins en plus, et ça permet aux joueurs gagnants de quand même pouvoir parier sur le point FR, même si la mise elle est moindre pour lui peut-être, et ben au moins il peut quand même parier, quoi, et parier qu'une seule fois à telle cote, voilà, et tout simplement. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, j'espère que je me suis fait comprendre. Mais c'est exactement ce que j'expliquais lors de mon interview chez Richou, hein, pour ceux qui sont sub à sa chaîne. Vous pourrez voir le replay. Franchement, mon interview du vendredi dernier était vachement intéressant, je trouve. On a abordé plein de thèmes. Et voilà, parce qu'à un moment donné, il y a un truc sur lequel je suis en accord avec Richou, c'est sur la prévention. Alors après, on peut dire, ouais, il n'est pas éthique parce qu'il a un contrat avec Wina ou j'en sais rien. Enfin bref, on s'en fout. Mais au moins, essayez, putain, de faire un minimum de prévention et surtout mettre le doigt, comme on a fait vendredi dernier, de mettre le doigt sur vraiment là où les bookmakers français nous prennent absolument pour des cons, quoi. Rien que ça, tu vois, rien que protéger au moins les joueurs perdants qui perdent des 50 000, 100 000. Attendez, les bookmakers français, ils engrangent toujours plus de milliards par an. À un moment donné, faut arrêter, tu vois. À un moment donné, vous croyez que c'est juste parce que ça se passe bien et tout, ouais, on fait de la prévention et tout. Ouais, non, le meilleur moyen de faire de la prévention, c'est de bloquer tous les comptes et que personne puisse mettre 10 000 ou 50 000 sur une cote. C'est tout, en fait. C'est le meilleur moyen de protéger, sachant que sur le point FR, la plupart des cotes vont être EV- à cause d'un taux retour joueur plus bas, donc des cotes plus basses, et c'est putain, c'est le meilleur moyen de les protéger, ces joueurs. Et franchement, hein, eux, ils sont responsables, tous les bookmakers français, ils sont responsables de la misère de beaucoup de gens, parce que franchement, ils poussent les gens à faire des combinaisons, ils poussent les gens à, hein, avec leur pub, genre, tu sors de la misère, viens, regarde tous les jeunes de cité, grâce à nous, ils vont sortir de la misère. Non, ils font tout le contraire, et ça, c'est dégueulasse. Bon, ça, c'était mon petit coup de gueule. Désolé, les gars, mais en vrai, quand tu commences à réfléchir un minimum, putain, ils abusent, quoi. Et franchement, moi, je suis content de vous proposer une émission un peu de la sorte, parce que je vous fais pas croire que vous allez devenir riche grâce au betting. Ouais, voilà. Mais bien sûr, le Bibitzer, merci pour le follow, Jack 59. Le 59, c'est le Nord ou la Lorraine? Le Nord, hein, je crois. Hein. Département, attends. C'est le Nord. Pas du tout, je sais plus. 59. Putain, mais... Je sais plus si c'est... Je confonds. En plus, je suis allé par là-bas, du côté de Saint-Avold. S'il y en a qui connaissent, ils sont de là-bas. 59, c'est le Nord, ok. Lille, ah, c'est Lille, ok. Ok, merci, Cubi. Merci pour le follow. Donc, bref, moi, ce que je vous recommande, d'ailleurs, la première chose, d'ailleurs, là, on va faire un petit peu de prévention, vite fait, à ma manière. Putain, les gars, vous êtes fait passer le mot ou quoi? Merci. Merci pour le follow. Il y a un mec qui a appelé tous ses potes. Et Saint-Avold, c'est le 57, ouais, exact. Je confonds toujours. Très belle ville, Lille. Hein. J'y suis jamais allé. Mais j'ai vu des photos. Ma mère y est allée et la famille aussi. Et, très belle ville. C'est cool. Non, mais franchement. Ouais, Lille incroyable. J'irai un jour. À Bruxelles aussi, j'irai. Bon, j'irai un peu de partout, j'espère. Toulon 75? Pourquoi 75? Non, pas 75, Toulon. C'est le Var. Ah, bon, peut-être que j'ai pas la ref. Et donc, je disais... Ah non, mais les bookmakers français, enfin... En fait, c'est tellement facile de contourner le problème en disant... Et ça, l'ANJ, putain, l'ANJ, qu'est-ce qu'ils foutent, merde? Qu'est-ce qu'ils foutent, quoi, sans déconner? Non, mais sérieux, les gars, qu'est-ce que fait l'ANJ, quoi? Genre, à un moment donné, c'est pas compliqué? C'est pas par... Oh, mais merci, Papa-Rieur, putain, t'es au top. Ah bah, c'est gentil, merci. Merci, rétablis-toi bien, hein, Papa-Rieur. Ah bah, c'est gentil, hein. Merci beaucoup, Papa-Rieur. Et d'ailleurs, bah, Papa-Rieur, hein, pour ceux qui... J'allais dire pour ceux qui connaissent pas... J'aime bien dire ça, tu sais, c'est comme si... C'est le petit joueur de foot en national qui dit « Ouais, vous connaissez, genre Samir Nasri ou Zidane, tu sais. » Mais en tout cas, regardez, hein, si vous suivez pas, surtout pour ceux qui sont intéressés, je sais qu'il a beaucoup de partenariats, il a une grosse commu. Et donc, Papa-Rieur, clairement, pour ceux qui veulent, voilà, des fois participer à des jeux ou autres. Enfin, je sais qu'il fait gagner des choses, en tout cas. Je regarde pas tout le temps Twitter, mais je sais qu'il fait gagner des choses.
Et voilà, donc ouais, donc on parlait de prévention. Mais ouais, et là, encore une fois, que fait la NG, les gars? Moi, vraiment, je suis choqué. Je suis choqué parce que c'est pas compliqué de faire un système en place comme Pinnacle sur le point com. Putain, il faut s'inspirer un peu de, j'ai envie de dire, des meilleurs. Surtout que bon, en plus, Pinnacle ne limite pas les gagnants, mais ça encore, c'est un autre débat. Ah bah en termes de commu, Papa Rieur, ah bah, moi j'ai pas vu plus gros pour l'instant. Alors après, je connais pas, j'ai pas fait le tour, hein, mais Papa Rieur, je sais que c'est une très grosse commu sur Twitter et sur Discord. D'ailleurs, moi je suis pas sur ton Discord où il fallait remplir un truc, je crois, pour être dans son Discord. Et je crois que j'ai été jeté de son Discord, il me semble. Bref. Donc on disait quoi? Ouais, prévention, mais ouais, mais il faut que la GNJ fasse quelque chose, hein, sur ça. Il faut que ça soit interdit. Surtout qu'en plus, ils le savent. Tu vois, c'est ça qui me rend fou. Draw, Weska et Bar, si tu peux regarder. Alors, tu veux savoir ce que j'en pense? Alors, attendez, on va y aller. Ah, désolé, ça m'a énervé de parler de ça. Putain, tellement ça. Il y a des trucs. Tu me dis Ebar. Ebar Weska, tu veux savoir qu'est-ce que j'en pense du nul? Oula, le nul a l'air haut. Alors après, il faut voir. Avant de checker, moi, ce que j'en pense au niveau de mes modèles prédictifs, je préfère toujours regarder où est-ce qu'ils en sont niveau calendrier. Enfin, niveau. Ah, bah, c'est le dernier match. C'est le dernier match. Weska et Bar. C'est ça. Mais ils jouent rien, les deux, quoi. C'est ça qui est casse-couille, quoi. Enfin, il n'y a rien à jouer. Donc, certes, potentiellement, le N, il va être trop haut. Oula, au hasard. Mais ils jouent plus rien. Ils jouent plus rien. Mais bon, on va voir, parce que là, il y a quand même une sacrée diff, hein. Weska et Bar, mais après, tu vois, il suffit que les jeunes. Enfin, il suffit qu'ils envoient tous. Pardon. Je vais te dire ce que j'en pense, hein. Justement, ouais, ça m'étonne pas, mais enfin, c'est des spots compliqués, quoi, en fin de championnat. Tu m'as dit quoi? Attendez, pourquoi je l'ai pas, là? Ah non, là, on est le 20 mai, le 24. Non, on n'a pas. Pourquoi ils ont pas sorti? Ah, bah, parce que c'est pas. C'est samedi. Ah, bah oui, je suis con, c'est samedi. Je croyais que c'était maintenant. En but attendu, c'est ultra faible. Je vais te dire ce que j'en pense. Ah, putain, j'avais pas fini de mettre à jour ici, attendez. Et merci à Paparieur, hein, qui partage sur son Discord le Twitch. N'hésitez pas à follow, les gars, hein, pour être averti tous les jours, du lundi au vendredi à partir de 15h, le talk show betting présenté par moi-même, où on parle, du coup, on passe en revue les deux fils conducteurs de mon émission. Bon, on parle de tout. Déjà, on parle de talk. Là, on a parlé un peu de prévention, Bookmaker.fr. Attendez, putain, je sais pas faire deux choses à la fois. Je suis vraiment un homme. Le 27, donc tu veux savoir? Bah oui, enfin. En fait, on se prend souvent des énormes douilles en fin de marché. En fin de marché, pardon, en fin de championnat, quand il reste un match et tout. Là, on voit que les deux équipes jouent absolument rien du tout. Le match, il est le 27 mai. Attendez, hein, parce que je sais que j'ai plein de questions, les gars. Désolé, hein, je vais avoir du mal à tout gérer. Mais on essaye de faire au mieux. Je vais te dire ce que j'en pense au niveau des buts espérés. Bah, là d'ailleurs, quand je vois un N à 2,83, j'imagine que l'under il a dû sortir à 1,40, 1,45, je dirais. Alors Weska et Bar. Weska et Bar, je vais te dire ce que j'en pense. Là j'imagine que le under allait comme ça de vue donnée. Quand je vois un N qui sort aussi bas, j'imagine que le under il est sorti à 1,44, 1,45. Et qu'actuellement, le under, je pense qu'il a dû passer à 1,8. On va voir si j'ai raison. C'est juste un petit pari avec moi. Ah non, même pas. C'est sorti à 1,45. Putain, ça, on avait topé juste. Par contre, le under, il n'est pas 1,8. Il est toujours à 1,6. C'est chelou d'ailleurs de voir un under à 1,6 et de voir sur un match équilibré, de voir un nul aussi haut. Hein. Le nul, il est très haut. Waouh, ouais, on n'a pas de but là. Hein. Tu sais ce que j'ai, moi? J'ai deux buts espérés, mais genre maximum. C'est-à-dire que pour moi, sur ce match, l'under, il vaut moins de 1,5, quoi. Il vaut 1,5. Mais clairement, là, la value, enfin, si on devait choisir quelque chose là par rapport à mes modèles, le plus gros écart que j'ai, c'est sur le N. Hein. Le N, il est beaucoup trop. Mais est-ce que c'est pour autant je vais le prendre? C'est compliqué, Mutos, parce que comme je te dis, ça va. Yo, mental de chips, merci, nouveau modo depuis peu, comment ça va? Hola Team Papa, yo Telio, merci pour ton premier message, merci les gars pour les follow, c'est cool. Alors qu'est-ce qu'on dit? Mais comment on peut faire pour parier sur le point com depuis son tel?
Car les sites comme WinnaWatt, c'est la facilité, mais avec le .com, je trouve pas de book facile d'accès. Bah viens me voir en MP, je t'envoie tout ça. Viens me voir en MP, en plus je t'ai répondu je crois sur Twitter. Il me semble que sur Twitter en MP, enfin il me semble que c'est toi qui m'as parlé, je t'ai répondu. Donc viens me voir en MP, Discord, Telegram, ce que tu veux, même Instagram, je te répondrai. Et ça va super, je suis de passage, Go Poker, bon stream, biz, merci Mental de Chips, ça fait plaisir. Je sais c'est compliqué mais faut avouer que le rapport draw but espéré il est propre à de ouf. Ouais c'est moi. Bah on se voit en MP, on se rend un call, t'inquiète. C'est rien, c'est s'il y a une couille, on voit après, ok. Ouais, c'est vrai que là le N il est vachement vachement haut. Très bien vu de Mutos d'ailleurs. Mais encore une fois, il n'y a rien à jouer. Est-ce que les gens vont partir en couille complètement? Je l'ai topé à 3.9 pour 200€, elle est belle. Mais c'est vrai qu'a priori... A priori, le N, il est trop haut. Est-ce que je vais le prendre pour autant? Je pense pas. Encore une fois, ça peut... Tu sais, j'ai envie de te dire, entre la théorie et la pratique, il y a beaucoup. C'est pas parce que selon moi, c'est value aussi que... Voilà, là, il y a quand même cet aspect du fait que... Mais là, c'est vrai que là, putain, quand tu vois un under à 1.6 et que tu vois... Sur un match équilibré, hein, on le voit d'ailleurs au niveau des cotes, et que tu vois un N aussi haut... C'est n'importe quoi, mais bon, a priori, ils vont jouer complètement YOLO, quoi, a priori, enfin... Dur de dire, je suis pas d'accord avec le marché, évidemment, mais est-ce que je vais me positionner pour autant? Je pense pas, quoi. C'est encore une fois, c'est pour ça, les dernières journées de championnat, ou les deux dernières, c'est compliqué, parce que si tu te trompes, tu peux te retrouver par moment avec un bet ultra V-. Parce que tu vois, là, dans les faits... Ok, merci pour ton avis en tout cas. Mais moi, je préfère toujours vous dire, hein, dans le doute, ne pariez pas, hein, de toute façon. Dans le doute, ne pariez pas. Hein. Après, encore une fois, si je devais parier quelque chose, ici, dans ce spot, je parierais le nul, ça c'est sûr. Mais t'imagines, si jamais on s'y prend en avance, on voit que la cote, elle était à 2,83. Alors, le 20 mai, c'est sorti à 2,83. Moi, j'aurais pu très bien, tu vois, s'il n'y avait pas tous les éléments extérieurs, avec l'enjeu du match et tout... Qui d'ailleurs enfin, n'a aucun enjeu. J'aurais pu très bien prendre le N même à 3.2 à 3.3. Et t'imagines, je me serais fait ken de fou parce que là, on voit que le match nul, il est à 368. C'est pour ça qu'on a très très vite fait, sur les dernières journées de championnat, on a très très vite fait de faire des grosses erreurs. Parce que là, clairement, pour le coup, bah voilà, si je m'étais positionné sur le match nul parce que c'est value selon moi, l'algo, bah en fait, pas du tout. Enfin, on voit qu'ici, le marché, il part en déglingue. Alors après, je t'avoue que... Je t'avoue les gars que là le N il est tellement haut alors qu'il y a tellement peu de buts attendus sur ce match. C'est compliqué. Oh les gars on est 32 viewers. Putain elle est belle. Bah écoute ouais à mon avis Mutos, à mon avis tu as eu le match nul à 3.9. À mon avis c'est un très très bon spot mais encore une fois s'il faut le match nul il va aller jusqu'à 4 et compliqué le marché. Vous savez le marché il est imprévisible par moment. Hein. Clairement hein, faut pas croire que le marché il a tout le temps raison. Là, et d'ailleurs la preuve hein, j'ai envie de te dire. Il y a des gens qui arrêtent pas de dire, ils ont cet argument que je déteste, mais c'est normal, c'est un argument, on va dire, intuitif de tous gens qui ne parient pas, on va dire, ou même parmi les gens qui parient, c'est... L'argument, on l'a tous entendu, les gars. Moi, le premier, je l'ai entendu plein de fois, c'est... En gros, c'est impossible de battre le bookmaker. Ils ont des outils bien plus avancés que nous pour être précis au niveau des cotes. Alors là, ils ont raison. Tous les gens qui disent entre guillemets que les bookmakers ils ont des on va dire des outils bien plus avancés, ils ont des plus gros moyens que moi ou que n'importe qui, 100% raison. En revanche, dans le marché, en tout cas au foot et dans tous les marchés d'ailleurs, on voit qu'il y a des grosses fluctuations. À chaque fois il y a des cotes qui fluctuent, ça fait ça, ça, ça. Et donc à un moment donné, on joue contre un marché, j'ai envie de te dire. Tu joues pas entre guillemets évidemment qu'on joue contre les bookmakers parce que c'est chez eux qu'on va prendre... telle cote et telle cote, évidemment. Mais en soi, on joue contre un marché. Les cotes font que fluctuer. Et j'ai même envie de te dire que par moment, les bookmakers softbook sur le .fr, par moment, ils sont pas ajustés. Des fois, tu vas avoir des cotes sur Pinnacle qui vont drop beaucoup d'un coup. Et par moment, il y a des cotes sur le .fr, il faut être réactif, et ils se sont pas ajustés, tu vois. Et du coup, par moment, ils se retrouvent plus haut. En fait, c'est ça qui fait qu'on peut maximiser ses chances pardon, d'avoir un retour sur investissement positif sur le long terme dans les paris sportifs. Pourquoi? Parce qu'on joue contre un marché, parce que les cotes fluctuent, et que qui dit cote qui fluctue, dit qu'à un moment donné, soit la cote elle était trop haute, soit elle était trop basse. Tu vois ce que je veux dire? Alors certes, il y a des marchés où il va y avoir des matchs, pardon, où les cotes vont fluctuer que très très légèrement,
et que du coup, forcément, à un moment donné, même avec un taux retour joueur haut, au final, malgré les faibles fluctuations, à aucun moment une cote passe value, ça arrive. Mais clairement, là, on a l'exemple ici. On voit que, regardez, là, Huesca, il est sorti à 2,97 à un moment donné. Celui qui s'est positionné à 2,97 ou un peu en dessous, et que là, la cote, elle est à 2,4, le mec, il s'est gavé. Il a pris une grosse value. Et pourtant, il a pris la cote chez Pinnacle ou chez un autre bookmaker. Et pourtant, le bookmaker, il est censé être bien plus fort parce que le bookmaker, il a les outils avancés, machin. Ils ont des millions pour investir, pour gagner en précision au niveau des cotes, tout ce que tu veux. Donc voilà, donc l'argument de... Ah, mais les bookmakers, tu peux jamais les battre. Car, bah forcément, ils ont bien plus de moyens que nous. Ils ont plus de... Enfin, ils savent combien vaut une cote mieux que nous, etc. Cet argument, il est du coup totalement bidon à cause des grosses fluctuations qu'il peut y avoir. Par contre, là où je suis d'accord, c'est qu'il n'y a personne au monde. Et ça, on est bien d'accord. Hein, parce que c'est vrai qu'il y a des mecs qui se vantent, ouais, moi, je suis trop fort, je suis meilleur que les bookmakers. Alors, déjà, personne est meilleur que les bookmakers, et je vais vous dire pourquoi. Si jamais on se devait tous se positionner sur chaque événement, hein, là je sais pas, je prends la prochaine journée de ici, là, voilà. Imaginez, on devait tous se positionner sur 1x2, sur tous les matchs, et over-under, on va dire. On doit se positionner, on n'a pas le choix, on est obligé de parier, aux cotes actuelles. Et ben je peux vous dire que si on est obligé de parier sur 100% des cotes qui existent, et ben là, par contre, le bookmaker, il nous la met dans l'os. Parce que vu qu'en moyenne, les cotes vont être justes, eh ben, une cote qui est juste, c'est une cote EV moins sur le long terme qui va nous faire perdre de l'argent sur le long terme. Pourquoi? Parce que si la cote est bien ajustée, eh ben, avec un taux retour joueur inférieur à 100%, c'est-à-dire qu'en gros avec la commission qui est prise sur la cote, si on devait parier sur 100% des bets, sur des cotes proposées, il n'y a personne qui gagnerait. Le bookmaker sera 100% du temps gagnant. En revanche, le rôle du parieur, c'est quoi? C'est tout simplement de trouver le peu de fois où, entre guillemets, il y a une erreur de cote ou une value ou une cote qui est mal ajustée, appelez-le comme vous voulez. Moi personnellement, j'aime pas ce mot erreur de cote parce qu'en soi, voilà, c'est un marché, les cotes fluctuent beaucoup. Clairement, une cote peut sortir trop et finir en cote de fermeture trop bas. Même si la cote de fermeture, elle est moyenne en précise, elle est précise en moyenne, pardon, j'ai du mal à parler, eh ben ça veut pas dire que 100% des cotes de fermeture sont précises. Non, ça veut dire que des fois, il y a autant de chances qu'elles finissent trop haut que trop bas. Et moi, clairement, il y a eu plein de spots où j'étais juste pas d'accord avec la cote de fermeture. Ça a été même le cas sur le match de Celta Vigo d'hier, qui, pour moi, ils ont fini un peu trop bas. Alors, peut-être pas de beaucoup, mais un peu trop bas. Peut-être j'ai raison, peut-être j'ai tort, on s'en fout. Mais voilà, en tout cas, je me disperse. En tout cas, sur ce stream, on a déjà parlé de plein de choses en peu de temps, les gars. Ça, c'est cool. Donc on joue contre un marché, faut pas l'oublier quoi. Donc il y a des cotes qui fluctuent, il y a des équipes qui sont délaissées. Reviens, reviens, quoi. Des fois, Ah, il y a eu un bug. Tu fais une session poker bientôt? Ben je l'ai fait samedi dernier. J'ai fait une session NTT de la nuit, ce qui s'est encore une fois mal passé. On a buy-in pour 200 balles, on a fait down 130 et quelques, je crois. Mais ce week-end, je pense pas que je vais faire une session. Non. Là, en ce moment, je joue très peu au poker, je vous dis la vérité. Entre l'émission hier, j'ai passé ma journée entre chill. Je suis sorti plus chercher des values en Argentine. Bah, d'ailleurs, n'hésitez pas à. Sur tout.fr. À part PokerStars. Parce que j'ai pas de sous sur PokerStars en ce moment. Et puis, en vrai, j'ai assez avec les autres rooms. Notamment BetClick. Surtout BetClick, Party et Winner. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ok, ça marche. Je voulais faire notre truc. Putain, j'ai une mémoire. Putain, les gars, on est 30. Merci, les gars. Et puis, merci à Papa Harrier parce que je sais qu'il y est pour quelque chose. Il a ramené du monde sur le stream, c'est sûr. Merci à lui. C'est top. Franchement, c'est cool. On commence à avoir du monde. Putain, encore un peu. On va réussir à être dans la catégorie poker, la première chaîne, l'après-midi, sans jouer au. Ah non, ouais, non. Là, je suis en train de regarder. Il y a du monde. Lytic TV et forcément Richou qui est là depuis un moment. Mais en vrai, 30 viewers, les gars, c'est beaucoup. Hein. Merci, les gars. N'hésitez pas aussi à faire des clips. Les clips, quand il y a des bons clips, ça me permet
D'après, faire du contenu sur les réseaux, ça permet en quelque sorte de me soutenir aussi, sans forcément faire un sub, envoyer des sous. Je remercie d'ailleurs Kingon qui m'a balancé hier, non avant-hier, 7 subs dans la gueule. 7 subs, il m'a envoyé, enfin avec des subs gift et tout, enfin j'y connais pas trop, mais t'as compris le délire. Et donc merci pour le soutien, c'est ouf. Des erreurs, il veut dire, erreur de virgule, etc. Ça arrive pas mal, oui, ça c'est vrai. Le viseur, il faut les trouver. Donc, on va retourner sur les codes boostés, parce qu'au final, ça fait, on a beaucoup parlé, et tant mieux d'ailleurs. Mais je vais revenir sur les codes boostés ici. Donc, on n'a rien vu d'intéressant pour l'instant. Donc ça, ouais, c'est mort. Le 2-1, on a vu que c'était mort, c'était du scam. Qu'est-ce qu'il va nous proposer le Real ? Benzema ou Camello, premier buteur ? Ça, souvent, ces intitulés, ça peut être value. Après, va falloir attendre. On sait qu'en plus, PMU, s'il y en a un des deux qui est out, il me semble, dites-moi si je me trompe, il me semble qu'il ne rembourse pas si jamais il y en a un des deux qui n'est pas titulaire. Or, d'autres books remboursent. Donc ça ne sert à rien. Bah là, en vrai, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On va aller du côté de Unibet. Ouh là là, il y a du... Plus de... Alors, qu'est-ce qu'on peut check ? Ça, d'ailleurs, il y avait un intitulé comme ça au tennis de table. En vrai, vous savez quoi ? On va le check, celui-là. J'ai bien envie de le check. Franchement, ça serait énorme de voir qu'il y a une value en tennis de table. On va aller voir le double Félix Lebrun. Les frères Lebrun, pour ceux qui ne connaissent pas au tennis de table, c'est des monstres. Et donc, en gros, ouais, ils gagnent contre eux. Qu'est-ce qu'on a ? Ouais, c'est championnat du monde, ouais, en ce moment. Je sais plus où ça se déroule, d'ailleurs. Donc, victoire à 4.5. Hein ? Attends. Pourquoi j'ai que ça ? Non, c'est en simple, ils ont perdu hier. Ah, c'est en simple ? Alors, attendez, j'ai dû me tromper de joueur. Ah, d'accord, il faut qu'ils gagnent les deux, alors. Oula, ça va être compliqué. Donc on a Félix Lebrun et Alexis Lebrun qui doivent gagner. Donc ok, c'est un combi des deux qui doivent gagner. Très bien, j'avais mal lu. Putain, il est favori Lebrun. Ah, en tout cas, Alexis il est favori. Hein. On va voir au niveau des cotes, voir combien ça vaut à peu près. Putain, regardez les taux retour joueurs. Et d'ailleurs, on en parlait. Je suis pro de tennis de table, c'est vrai ? T'es classé combien ? Non, c'est en simple, ils ont perdu. Je suis pro. Sérieux ? Ah bah moi, j'étais bien classé. J'étais champion du Var cadet en 2004. La même année, champion du Var par classement. J'étais 65 à l'époque. Je vous parle d'un temps que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître d'ailleurs. Hein, parce qu'entre-temps, les classements... Tu es 1800 ? Mais 1863, c'est équivalent à 25 de l'époque. Je suis pro. On n'est pas pro quand on est 25. À moins que tu aies 14 ans. Quel âge tu as, Rimon ? Ou alors je me trompe. Ah non, tu es... Attends. Je me rappelle plus des classements au tennis de table, les gars, j'ai arrêté il y a très longtemps, hein, mais enfin, bah, quand j'avais 18 ans. Donc, on disait quoi ? Putain, d'ailleurs, Lebrun, la cote a chuté. Non, c'est une façon de parler. Ok, je comprends. Là, on va quand même aller voir, parce que là, on a du 1.7. Je pense qu'avec un... Putain, le taux retour joueur à 93, il fait mal. Hein. Il est bas, le taux retour joueur. Hein. Donc ça, c'est des cotes. Mais bon, on voit que quand même, c'est sorti à 1.87. S'il y a des pros... Enfin, des pros... Putain, c'était même à 1,98 les gars, hein. VGG, hein, ceux qui ont eu à 1,98, c'est value a priori. Il y a une value sur Félix, sérieux ? Bah enfin, sérieux, tu sais quoi, on va tester. Ah bah tiens, vous en parlez, eh bah vas-y, on va parler ping-pong, qu'est-ce qu'il y a ? On va parler sur les values ping-pong, tu me dis que c'est value contre l'allemand ? Bon, de toute façon, l'autre, ça doit être à 100% du 1,8. En vrai, je crois que je vais la prendre. Hein. C'est probablement value. Là, si on prend 2,25 et 1,6. Attendez, on va regarder. 2,25 et 1,6. 2,25 et 1,6. Ça nous donne bien un retour joueur comme ça. Ah ouais, ça donne. Ça vaut du 2,40 ce match. Et l'autre, c'était quoi ? 1,8, je crois. 2,40 fois 1,8. Value tennis de table ou pas ? Franchement, j'obtiens du 4,30, hein, les gars. Donc attendez, on va checker l'autre. Je vais vous le faire à la bien. Ok ? Donc là, ça vaut 2,41. Et on a 1,69-2,08. Pardon, attendez, j'arrive. 1,69-2,08.
1,81 et 2,41. Donc en gros, si je multiplie 2,41 fois 1,81, ben j'obtiens du 4,36, c'est value les gars. Alors ça vaut 4,36, alors 4,5 divisé par 4,36 à peu près, ça nous donne un bet à 3% de ROI. Vous savez quoi? Soutien OFR, on va prendre les gars. Je vais prendre tout de suite. Bon attendez, je vais prendre sur Unibet cette cote. Alors même si contre l'avis de certains, je pense qu'au pire des cas c'est un bet EV0. Mais en tout cas aux cotes actuelles c'est value, donc on va prendre. Allez, petit soutien aux Français. Alors, est-ce que je vous dis que je suis sûr de moi que c'est value ou pas? Non, mais en tout cas, ça me fait plaisir de parler ping sur Twitch, pas de souci. En tout cas les gars, la cote boostée de Unibet, Félix Lebrun et Alexis Lebrun gagnent, vainqueurs de leur match. Aux cotes actuelles, si on enlève la commission et qu'on transforme les cotes sans les commissions, j'obtiens du 4,36. Or, la cote, elle est à 4,5 sur Unibet. Donc, on est, selon le marché, je rappelle, hein, je suis pas sûr de moi. Là, je suis sûr d'une chose, c'est qu'aux cotes actuelles, on est au-dessus du marché. Ça, c'est une chose, ok? Après, on ne sait pas comment les cotes vont fluctuer. Mais en tout cas, moi, je vous le dis, je viens de prendre, j'ai mis 50€ sur la cote boostée à 4,50, les deux frères gagnent. Allez, on va pousser sur les Français, les gars. Le match, il est à 19h30. Le match, il est dans 3h. Vous faites comme vous voulez. Vous voulez suivre, pas suivre. Je vous avoue que vous faites comme vous voulez. Hein. Je compte pas non plus inciter. Monaco est plus de... Attendez, je vous remets le... Je vous mets Unibet. Donc, celle-là, ça a été prise, les gars. La cote en haut à droite fait les deux qui gagnent. La CB, tu l'as eu où? Bah, tu vas sur unibet.fr. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas de compte et que vous souhaitez me soutenir, à chaque fois que vous voulez vous créer un compte sur n'importe quel bookmaker, je vous envoie personnellement mon lien d'affiliation ou de parrainage, ou appelez-le comme vous voulez. Ça permet aussi de me soutenir. C'est-à-dire que voilà, le mec il veut parier sur tel book. Et voilà, bah, plutôt que de pas passer par mon lien ou de passer par mon lien, ça revient exactement au même, sauf que ça me soutient. Ah bah, envoie s'il te plaît. Je t'envoie un MP. Je t'envoie un MP tout à l'heure. Non, ou tu veux maintenant? Envoie-moi un MP sur Twitter ou Discord ou ce que tu veux et je t'envoie ça. Enfin, faut que je le retrouve d'ailleurs. Pas de soucis, non, tout à l'heure. Eh ben, tout à l'heure. Donc, après, vous venez me voir en MP, vous me dites, voilà, Franck, j'ai envie de te soutenir, j'aime bien ce que tu fais. J'ai envie de m'inscrire sur Xbookmaker, envoie-moi ton lien de parrainage. Je te l'envoie. Sur Insta, je t'envoie, c'est bon? Ouais, c'est bon, c'est top, merci. Merci, les gars, et ceux qui le font, hein. Enfin, en tout cas, ceux qui veulent le faire, eh ben, je vous remercie. C'est la meilleure façon de me soutenir gratuitement. Voilà, plutôt que de faire un sub, un don, où ça c'est payant forcément. Monaco-Strasbourg, vous savez quoi? J'ai envie de le checker celui-là. Monaco-Strasbourg, le match il est dans pas longtemps. Monaco gagne et plus de 166 buts dans le match. Je vais prendre comme référentiel Marathon Bet, les gars. Donc on est sur du Monaco-Strasbourg, on a dit. Monaco-Strasbourg, on va aller sur Marathon. Quoique je pense à l'ouvrir à chaque fois d'ailleurs. Monaco-Strasbourg à 2,45, Monaco gagne et plus de 166,5. Waouh, Telio, merci pour ton sub. C'est bon ça, tu t'es abonné avec Prime, merci beaucoup. C'est top. Tiens, hop, je m'en servais pas. Et bah d'ailleurs, merci beaucoup Telio. Et ceux qui se servent pas aussi de leur sub gratuit, à savoir que tous ceux qui lient leur compte Amazon Prime avec Twitch, ils peuvent offrir tous les mois un sub à leur streamer préféré ou pas d'ailleurs. Et du coup, ça permet de soutenir gratuitement. Voilà, c'est un sub qui vous coûte 0€ vu que vous êtes déjà abonné à Amazon Prime. Et en fait, ça vous permet de, bah, voilà, de me soutenir un petit peu. Enfin, un petit peu, beaucoup même en fait. Et c'est cool. Alors, Monaco-Strasbourg gagne. On est sur marathonbet.com. Alors, j'ai pas de compte hein, les gars sur Marathonbet, c'est pas disponible depuis la France. Mais bon, on peut tous aller sur le site et voir comment ça se passe. Hein, si jamais ça vous dit le site est pas axé, vous mettez un VPN et vous faites paillèche. Vous mettez un VPN et au moins vous pouvez voir les cotes. Alors pourquoi je vais sur MarathonBet pour checker Monaco gagne et plus de 166 buts dans le match? C'est très simple, c'est parce que c'est les seuls à proposer un intitulé de la sorte. Et d'ailleurs, on va le voir en direct. Enfin, j'espère qu'ils vont pas me faire mytho. Monaco gagne. Ah, peut-être qu'il n'y est pas. Incroyable. Ah, voilà. Regardez. Monaco gagne. Et plus de... Regardez, il est là.
Alors, faut parler un peu anglais, hein. Mais bon, après, ça va, les gars. Pas besoin d'avoir un gros niveau de ouf d'anglais. Hein. Monaco to win plus total over 166. Je pense que même si t'as pas fait anglais dans ta vie, Monaco to win, je pense que t'as compris. Hein. On a une cote ici à 2,35. Ben, c'est mort. Hein. Alors, je vais même pas le calculer. Hein, mais si on... Ah, c'est cool. Ouais, c'est énorme. Ouais, fini. Bah, c'est cool. C'est cool, merci beaucoup. On est déjà à une heure d'émission, les gars. Je rappelle qu'on est là tous les jours pour le Talk Show Betting de 15h à... Alors, à une heure, minimum 17h, on va dire. Ça peut tourner, aller jusqu'à 18h, voire 19h, si vraiment on se chauffe et qu'on fait une grosse émission. Et donc, c'est tous les jours du lundi au vendredi, les gars. Voilà, tous les jours. Donc, le rendez-vous, il est pris. On est là. Et puis, si vous pouvez pas, ce qui est normal, les gens travaillent, ils peuvent pas regarder le stream. Je mets tout sur ma chaîne YouTube que je démarre. Je mets tous les replays sur la chaîne YouTube. Donc, bah voilà, ça vous permet de regarder en rediff ou autre. Et voilà. D'ailleurs, faudrait que... Yo, merci Matt Gisque, merci pour le follow. Donc, pardon, je revenais sur ça. Ici, pour vous la faire simple, selon Marathon, c'est, ça vaut 2,35 et 1,54. Ok. Et 2,35 et 1,54, si on transforme en 100%, 2,35 et 1,54, j'ai dit, vous voyez, on obtient en cote réelle 2,53. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas value, tout simplement. Ça veut dire que là, on obtient du 2,53 en valeur nette, selon Marathon, ok, en enlevant la commission. Donc, en gros, sur le long terme, si cette cote, elle est précise, ça veut dire que sur le long terme, à 2,53, ni on gagne de l'argent, ni on en perd, si c'est précis. Donc, c'est pas value, vu que c'est à combien de l'autre côté? Vu que c'est à 2,45. C'est close, hein. C'est close, hein. Si jamais la cote de Monaco chute, d'ailleurs, on va se mettre une alerte. Petite technique, les gars, vous allez sur Odds Portal. Alors, attendez. On va aller sur Odds Portal, je vais vous montrer l'écran. On va aller sur Odds Portal, donc on va aller sur le match de Monaco. C'était quoi? C'était du basket? Oui, c'était du basket. Monaco-Strasbourg. Xenmas67, merci pour le follow, ça me dit, ça me parle ce pseudo. Et là, on voit que, en gros, la cote, elle peut passer value si jamais la cote de Monaco drop, notamment. Alors, pas que, hein, ça peut être la cote de l'over qui drop. Là, on voit que c'est 1,18... 5,25. Putain, là, il y a quand même des books qui proposent un TRJ très haut, c'est beau. Ce que je vais faire, en gros, pour savoir si la cote... Parce que la cote peut passer value, hein. Si jamais Monaco drop, je sais pas, à 1,15, 1,10, ou plus bas, la cote que je viens de vous montrer, l'intitulé sur Unibet, peut passer value. Donc, comment savoir? Il faut être alerté. Allez, hein, allez Strasbourg, hein, quand même, la cigogne, bien sûr, hein, pour ceux qui connaissent. On aime la France. Et on aime nos régions. Alors, vas-y, là, je mets une alerte à 5,95. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais la cote de Strasbourg touche 5,95, ça veut dire qu'en théorie, la cote de Monaco devrait chuter. Et si la cote de Monaco chute, ça veut dire que peut-être que notre cote boostée Monaco gagne et 166 buts dans le match. Enfin, but, panier, appelle-le comme tu veux. Ça pourrait passer value. Ok? Donc là, je mets une alerte. Donc, en gros... C'est gratuit, les gars. Odds Portal, je vous le conseille. C'est, tu te crées un compte, c'est, tout est gratuit. Et en fait, ça te permet, donc, quand tu mets une alerte, quand tu te crées un compte et que tu rentres ton adresse email, en gros, si jamais la cote, elle touche 5,95 sur n'importe quel bookmaker ici, ça veut dire que moi, de l'autre côté, je reçois une alerte dans ma boîte mail qui me dit Odds Portal, machin, l'alerte, quoi. T'as compris? Ok. Ok, si t'as compris, on a compris. Putain, les gars, on est 38. Putain, merci. Je sais que c'est grâce à Paparieur. Hein. Je pense qu'il m'a ramené... D'habitude, on est en 20 viewers simultanés, là, depuis un petit moment, je pense. Et là, je vois qu'on est 38, c'est cool. Les gars, merci beaucoup, hein. N'hésitez pas à revoir les replays sur Twitch ou YouTube. Ah, Paparieur, tu m'as mis bien. Paparieur, d'ailleurs, je vais vous raconter l'histoire de Paparieur. Enfin, de Paparieur, l'histoire. Parce que moi, je m'en bats les couilles, j'ai rien à cacher. Faut savoir que sur Twitter, j'ai beaucoup d'abonnés. Enfin, j'ai beaucoup d'abonnés. J'en ai 3975, alors, au moment où je vous parle. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai voulu commencer à développer mes réseaux sociaux, j'ai vu une opportunité, je m'en bats les couilles, hein. Alors là vous pouvez dire c'est bien ce que t'as fait ou pas. J'ai eu une opportunité, il y a quelqu'un qui vendait son compte, un tipster que je connaissais pas, qui vendait le compte. Bon après je dirais pas le prix ou quoi, ça on s'en fout, enfin, on va regarder des confidentiels. Et je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas, si j'ai envie de développer mes réseaux sociaux, créer une communauté, monter une chaîne YouTube, Twitch, je me dis, ben forcément, hein, toute personne qui entreprend... dans le développement de ses réseaux sociaux ou autre, que ce soit personnel ou autre, bref, bah forcément le but c'est que t'as envie d'être vu, t'as envie de montrer ton travail, c'est cool quand il y a du monde et tout. Et donc
j'ai eu un spot du coup de racheter un compte Twitter d'un tipster qui avait 4000 ou 5000 abonnés. Franchement, je m'en rappelle plus à l'époque. Et d'ailleurs, au début, j'avais rien fait. Et donc, c'est pour ça que j'ai autant d'abonnés, je vous le dis, voilà. Il y en a, ils peuvent se dire, ah ouais, il a peut-être acheté des faux abonnés ou quoi. Non. Alors, en tout cas, s'il y a des bots ou des faux abonnés sur mon compte Twitter, alors j'y suis pour rien. Moi, j'ai juste profité d'un spot de rachat de compte, en quelque sorte. J'ai récupéré le compte de quelqu'un, en quelque sorte. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pas mal d'abonnés, pour ceux qui se demandent ou qui se disent, oh putain, il a triché, c'est pas bien. Moi, j'assume, je m'en bats les couilles. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'à l'époque, je le dis, pas par ailleurs, en tout cas, on avait échangé en MP, je sais plus pourquoi, et ouais, il m'avait fait part de cette remarque en mode, alors, en gros, j'aime pas ce que t'as fait, enfin, j'aime pas les gens qui récupèrent des comptes d'autres ou quoi, tu vois. Alors moi, personnellement, j'ai pas vu le mal. Je me dis, bah ma foi, si t'as une opportunité de récupérer un compte avec plein d'abonnés, à partir du moment où ton but, entre guillemets, c'est de développer et de, je sais pas, de toucher un maximum de monde, c'est plutôt ça le but. Et ben voilà, ben je l'ai fait, voilà. Donc, vous voyez. Business, ouais, ben en même temps, enfin oui, business, ben, à partir du moment où tu développes, il y a peut-être un côté business aussi. Après, moi, je suis pas un businessman, hein. Je suis beaucoup plus dans l'humain que dans le business, je vous le dis tout de suite. Croyez-moi que si j'étais dans le business, crois-moi que déjà, j'essaierais absolument de soit de vous vendre quelque chose ou de vous foutre des panneaux de pub de partout en mode, allez, vas-y, on fait ça, ça. C'est cohérent, en tout cas, bah, je sais pas. Enfin, je sais qu'il y en a, c'est mal vu, mais moi, j'assume, tu vois. Et je sais qu'il y en a peut-être qui vont me dire, oh putain, c'est pas bien ce qu'il a fait. Mais voilà, ouais, je suis nature peinture, j'ai envie de te dire. Bon, on disait quoi? Yo, l'équipe, dans les beaux champs, on va écouter le talk comme un podcast. Eh ben, c'est cool, merci, Peter Check. Ça a trouvé des values pour le moment. Alors, sur les codes boostés, pour l'instant, par rapport au marché, on a pris sur Unibet les frères Lebrun qui gagnent chacun leur match en simple à 4.5. Est-ce que c'est value selon le marché au moment actuel? C'était value. Après, si les cotes fluctuent ou contre nous, ben, ça sera peut-être pas value. Mais je sais pas, mais en tout cas, j'ai pris. Et voilà. C'est pas que grâce à lui, c'est grâce à ton taf aussi. Quand on connaît pas la personne qui rachète, c'est compliqué. En effet, je connaissais la personne avant, donc c'est toujours difficile. Mais regarde, je suis là, donc c'est mérité. Bravo, ben, merci. Ouais, non, mais je le sais. Non, mais c'est pour ça qu'en fait, moi, j'ai pas trop relevé. Et je comprends totalement un mec qui est réticent par le fait que quelqu'un rachète un compte ou autre, ou qui récupère le compte d'un autre. Après, un truc que je ferai jamais, je vous le dis, par rapport à ça, enfin moi en tout cas, j'ai pas vu le mal ou autre, mais bref, c'est comme ça. J'ai vu une opportunité, je l'ai fait. Par contre, un truc que je ferai jamais, alors là, croyez-moi que c'est vrai, c'est que c'est acheter des bots ou des viewers, des faux viewers ou des faux followers ou je sais pas quoi. Alors ça, croyez-moi, ça c'est un truc. Ça pour le coup, je supporte pas et je sais qu'il y en a qui le font. Enfin, que je supporte pas, en tout cas, c'est. Ah bah merci, je viens de voir le message pour sur Insta. Je checkerai après. En tout cas, merci les gars, franchement. Je suis assez touché parce que je crois que cette émission, elle a commencé quand? Première émission, c'était il y a, je dirais, 3 semaines, mais moins d'un mois. Hein. Et ben quand je vois l'ampleur que ça prend en moins d'un mois, je me dis que c'est de très bon augure pour la suite. Ah, ok, Edouard, merci, là j'ai eu ton message en MP pour c'est mieux, ok. Bah j'irai le checker un peu. En gros, c'est différent, je sais pas si t'es là, Edouard. En gros, c'est différent d'une loi de poisson, en gros, c'est quoi? C'est des calculs différents? Qu'est-ce que c'est le site? Mais ce site, il me parle, hein, ce site de calculatrice. Je l'ai déjà vu, mais j'ai pas trop approfondi, j'ai pas trop étudié le truc. Mais en tout cas, je te crois, si tu me dis que c'est mieux qu'Anabeth, on verra. On verra, enfin, j'irai voir, et merci beaucoup du tips, les gars. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il y a cette émission, hein, les gars. Cette émission, c'est avant tout du partage. On partage des connaissances, on partage aussi des tips. Je remercie aussi la personne dans le Discord qui a envoyé plein de liens par rapport aux blessés suspendus, que ce soit en Asie, en Amérique, enfin aux États-Unis, pardon. Annabeth, tu dois mettre. Ah bah, tu m'écoutes, c'est cool. Annabeth, tu dois mettre les EasyXG, ok. Bah oui, c'est vrai. Les buts espérés, quoi. Tu mets les cotes. Alors que le site que... Ouais, mais moi, après, mes modèles prédictifs, ils sont en but espéré. Donc, ok, tu donnes les cotes et ils te donnent... Ah, tu veux dire par rapport au marché, éventuellement. Genre, on met les cotes du marché et ça te donne les XG. Bah, ça peut être pas mal, hein. De toute façon, clairement, hein, si tu me dis que c'est mieux, je te crois. Au moins, ça me permettra de... Oui, oui, voilà. Ok. Ok, top. Bah, merci beaucoup. Yo, une question, tu travailles tout seul ou t'as quelqu'un avec toi? Je suis tout seul. Je suis tout seul depuis 2 ans. Quand j'ai démarré entre guillemets à fond dans les paris sportifs, je travaillais avec quelqu'un, mais enfin c'était plutôt pour quelqu'un. J'étais le secrétaire de quelqu'un qui faisait des modèles prédictifs et moi je faisais la secrétaire qui rentrait tout ça, les données, et c'était... Bref, c'était cata, mais bon bref. Alors Annabeth,
Puis tu as les handicaps over-under et Anabet. Alors Anabet, il faut la version payante. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une version payante. Après, la version gratuite, sur Anabet, t'as quand même les 1x2, mais c'est tout, je crois. Donc ouais, je vois. Ben, merci beaucoup du tips. Merci, c'est top. Je te remercie fortement. Attendez, on va continuer un petit peu hein, sur le point .fr. Les gars, si vous faut, on va faire une émission que code boosté. Hein. Mais pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas, les gars? Ah tiens, d'ailleurs, je voulais vous montrer un truc. J'ai piqué sur mon bilan Pikyo, que j'essaye. Alors, j'ai du mal à tout piquer et être actif dessus. Donc ça, c'est... pour ceux qui connaissent pas Pikyo, c'est un site qui te propose des bilans. En gros, c'est les cotes sont basées sur les cotes de Pinnacle, ok. Et là, en gros, vous pouvez voir gratuitement tout ce que j'ai piqué. Ok, c'est ici. Donc vous allez sur le site, vous pouvez me follow, c'est gratuit. Franklin83, donc tu te crées un site sur pikyo.com. Je vous le mets en lien si vous voulez me suivre. Alors j'essaye de piquer tout, je vous avoue que je pique pas tout. Et puis c'est surtout que des fois, la value elle est pas sur Pinnacle. Ou du coup, enfin du moins la cote, c'est comme là le match nul. Sur le match de Coca-Cola, dit Futur FC contre Cléopatra. Il y a aussi le match nul qui est value, mais pas sur Pinnacle, qui est à 2,94, mais clairement sur un XBet, pour ceux qui ont accès à un XBet, c'est à 3,34, ou ceux qui ont accès sur dot.com, franchement, si vous l'avez au-dessus de 3,2, c'est à prendre. Le baseball Unibet, je veux bien que tu compares, merci. Allez, c'est parti, on va y aller. Donc en gros, voilà, je vous ai mis Pikyo, si vous voulez me suivre, j'essaye de... Voilà, je pique pas tout, mais j'essaye d'en piquer une bonne partie, vous voyez, j'ai analysé l'Argentine et Brésil, série B, ici... Et, enfin, ça, je l'ai fait hier, hors stream. Ok, allez, on va passer sur Unibet. On a dit le baseball. Baseball. Ah, ok. Plus de 6,5 points lors de chacun des matchs de 19h10. Eh ben, écoute, on va aller en MLB, qui est aux États-Unis. C'est parti. MLB. Le baseball. MLB, ouais, c'est les États-Unis, ça. D'ailleurs, quand j'habitais au Mexique, j'ai vu les matchs de... Ah, les matchs de 19h30, attendez. Pourquoi j'ai pas tout... Attends, je vais le trouver, hein. Baseball, 19h30. Oui, c'est là, c'est bon, je suis dessus. Attendez, pardon, je vous ai pas mis l'écran. Alors, on a dit les matchs de 19h30. Oula, alors déjà, j'ai les horaires. Ce qu'ils appellent plus de 6,5 points lors de chacun des matchs de 19h10. Bah, c'est la MLB, pourquoi je les ai pas là? Ah, c'est après. Ah, 19h10, autant pour moi, oula. Eh, des fois, c'est dur. Ok, donc on a les trois matchs, j'ouvre les fenêtres. Et on va voir donc les points. C'est over-under 6,5, ok. Allez, c'est parti, on commence par le premier. On a du 1,51. On a un TRJ haut, allez, je vais essayer de vous le faire de tête. Bon non, on va pas le faire de tête en fait, vas-y, je vais vous le faire bien à chaque fois. Donc, non, je vais vous le faire bien. 1,51, 2,71. 1,51, 2,71. Ça vaut 1,56. Allez, c'est parti, on retourne. Le premier match, c'est 1,56, ok. Ça vaut 1,56 fois... Attendez, je refresh la page, ça a du bug. Enfin, j'espère que j'ai bien piqué les bons matchs là. Hein. J'espère que j'ai pas fait le mongolien. On a après du 1,29. Bon, on va quand même prendre celui-là. C'était les dernières cotes. 1,29, 3,65. Donc... On a 1,35. Attends, donc on va faire 1,35 fois 1,56 fois. Et ben là, c'est le dernier. C'est le dernier qui va nous dire si c'est good ou pas. 19h10, over-under. Ah là, c'est plus haut. 1,6 de 47. 1,6, 2,47. Ça nous donne du 1,65 fois 1,65. J'obtiens du 3,47. À combien est la cote? Ah oui, non. Oula, pas value du tout. Ah oui, pas value du tout, les gars. Là, c'est même très EV moins. J'obtiens là du 3,47. Ça fait mal. Ah ouais, là, c'est une cote très, très EV moins.
clairement. Donc, ah, attends. Attendez. Tac. Attendez, les gars, je réponds à des trucs sur Discord vite fait. Merci hein, à ceux qui suivent. Attendez. Ok. Cool. Cool, cool. Attendez, clac. 2 secondes. Ouais, donc ouais, gravez-moi. Hein, celle-là, c'est... Mais d'ailleurs, en général, de manière générale, ces intitulés, d'ailleurs, je les check rarement. Car... Quand il y a un intitulé où tu dois multiplier plusieurs événements entre eux, donc là, il y avait 3 matchs. Déjà qu'à la base, les over-under sur le .fr, c'est très très raiké. C'est-à-dire que le taux retour joueur, il est en général très très bas. Bah malgré tout, si tu vois un truc, genre s'ils multiplient leurs 3 cotes très très bas, ils obtiennent 2,55 et ça vaut 3. En général, c'est jamais value. Quoi. En général, ce genre d'intitulé, alors je dis pas 100% du temps, mais en tout cas, de ce que j'ai pu constater dans les codes boostés, c'est très rarement value. Après, qu'est-ce qu'on peut voir? Tiens, on peut voir là pareil. Hein, là, j'ai même pas envie de checker. Hein, alors, à moins qu'il y ait eu des grosses fluctuations, je suis presque sûr que le plus de 2,5 buts dans les 2 matchs, sachant que c'est trop raqué, même si ça passe de 4 à 2,8, c'est souvent de la merde. Fiorentina, ça va être galère à Atlético. Ah, ça, on peut le voir. Atlético Madrid gagne et les deux équipes marquent. On peut voir ça contre l'Espagnol. À partir du moment en plus où il faut voir un peu les enjeux du match. Bon, attendez, ça je ferme. Huesca. Wouah, regarde ce qui s'est passé, les gars. Putain, vous étiez pas là lors de Huesca. Ah non, 369, pardon, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit, on va aller du côté de l'Espagne. D'abord, avant de checker ce match, je vais regarder l'enjeu. L'Atlético Madrid, c'est deuxième. Et l'Espagnol, je crois que c'est mort pour eux, non? Ah non, le match, il est méga important, d'ailleurs. Le match, il est important pour l'Espagnol. Ils peuvent encore se sauver, même si c'est compliqué. Il reste 3 matchs. Ils sont à 4 points. Putain, ils peuvent se sauver, mais ça va jouer le tout pour le tout. Atlético Madrid, ça joue plus rien du tout, en fait. Hein. Ah, ça, c'est chiant, quoi. J'ai pas envie de checker, parce que l'Atlético Madrid joue plus rien. Enfin, il joue pour être deuxième, mais en soi... c'est quoi? Il joue pour la gloire, parce qu'en soi, deuxième et troisième, c'est à peu près la même chose. Donc, clairement, l'important, c'est plutôt du côté de l'Espagnol ici. Donc, bon, j'ai même pas envie de check. Qu'est-ce qu'on a après? Je pense qu'on a fait un peu le tour, un petit peu, des trucs. Bon, de toute façon, on peut toujours voir plus en profondeur les matchs, mais encore une fois, c'est sur des matchs. Fin de championnat, des matchs à non-enjeu, ou vraiment, ça me paraît complexe, quoi. Bon, en tout cas, on en a pris un seul. On a pris les frères Lebrun qui gagnent. Franchement, les gars, encore une fois, j'ai pas envie de vous dire suivez-moi ou quoi. Moi, j'ai pris. Vous, faites comme vous voulez. Mais en tout cas, selon le marché, c'était, il y avait un peu de value. Je crois que c'est du 3 ou 4% de ROI selon les codes du marché actuel. Et voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut regarder? Je pense que j'ai un peu fait le tour. Hein. N'hésitez pas à me dire s'il y a une code boostée que vous voulez que je check en particulier. Ah, Paris en sport, on n'y est pas allé. Ça, pareil, ça va être compliqué. Ah bah, de toute façon, le match, il a commencé, attendez. Au refresh. Il y a du curling, sérieux? Ça serait énorme de trouver une value curling, quoi, sur les codes boostés. Au moins, wow, vous voyez là, au moins 16 buts dans les 5 matchs du jour. Alors ça, bon, déjà, c'est sûr à 100% que c'est EV-. Même pas envie de le check. Déjà, on va passer une heure à le check et... Inter Milan qui marque dans les demi-temps... Non, ça, je pense qu'il n'y a rien d'intéressant. Ouais. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va passer à la partie... Bon, là, on est déjà à 1h30 d'émission, hein, mine de rien. On va passer à la partie où on va check les values selon mes modèles prédictifs, ce que j'en pense. Putain, les gars, c'est... Oh, les gars, 37 viewers. Putain, vous me régalez. Enfin, surtout, encore une fois, pas par ailleurs. Je pense qu'il est à l'origine d'au moins une quinzaine de personnes. Sachant que d'habitude, je fais 20 viewers simultanés, on va dire, en moyenne. Depuis quelques jours, on va dire. Et là, j'en suis à 30, 35. Putain, c'est beau.
Et on va réussir peut-être à faire premier d'une catégorie. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez, parce que j'en suis sûr que ça peut gêner des gens, catégorie poker, faire parler paris sportifs. Après, en même temps, il n'y a pas de catégorie spéciale paris sportif. Hein, et c'est ce que je comprends, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Qu'est-ce qu'on peut voir? Attendez. On peut voir au niveau des futurs, je vais checker la cote en Égypte. Ça, c'est la value que j'ai prise, hein, s'il y en a qui veulent suivre. Clairement ici. Je pense qu'il faudrait que tu te mettes dans sport. C'est vrai. Alors après, je t'avoue que d'être dans le poker, je trouve que c'est pas mal pour toucher un maximum de monde au début. Et après, pourquoi pas, à voir. À voir, mais je pense qu'à l'avenir, je compte me mettre dans sport. Mais là, franchement, poker, c'est pas mal. Je pense que je touche un maximum de monde. Donc ce match qui est à 20h30, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des over-under? Ça n'a pas bougé, c'est toujours 1,63. Moi, les gars, si vous voulez me suivre, je l'ai pris à 1,63. Pour moi, l'under, il est un peu haut sur ce match. Même si, évidemment, le match, il est plus important pour Future que Ceramica. Moi, pour moi, c'est un putain de match de fou à under. Le poker, c'est qui ressemble le plus au pari sportif. Et en plus, on parle poker de temps en temps. Ça, c'est vrai, on parle poker. Et en plus, je fais des streams poker aussi. Et je compte en faire, d'ailleurs. Il va falloir juste que je cale ça dans le calendrier. Mais oui, c'est vrai que c'est complémentaire. En tout cas, en plus, il y en a beaucoup dans le poker qui s'intéressent au pari sportif. Donc moi, je trouve que la catégorie, elle est bien choisie. Après, on peut voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut check? Moi, j'ai déjà check un peu tout ça de mon côté. Donc l'Egypte, pour moi, il n'y a que ce spot qui est intéressant. La Chine, j'ai piqué des trucs, mais sans... j'ai piqué les petites cotes qui me paraissaient un peu haut, mais j'ai pas parié dessus. La Chine, d'ailleurs, il faudrait que je l'analyse plus en profondeur. On peut aller voir les matchs de demain, tiens, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a demain? On a du série B, mais je l'ai checké, les séries B. On peut rechecker ensemble, d'ailleurs, série B. Il y a beaucoup de matchs. D'ailleurs, quand je dis demain, c'est dans la nuit. Hein. C'est là, à minuit, il y a des matchs. On peut voir ensemble ce que j'ai piqué. Et je peux vous dire de suivre ou pas en direct. Ouais, ça peut être une bonne idée. Brésil, série B. Ça, non. Ouais, ça vous va? On va voir les séries B. Alors, par contre, les gars, série B, ça va être que du .com. Hein. Je m'en excuse par avance, hein, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai pique ici? Londrina. Attendez, je vais essayer de... On va voir ensemble, comme ça je vais les rechecker au niveau de mes algos, combien ça vaut. Et je peux aussi vous partager d'ailleurs ce que j'ai bet en perso. Hein. Là, faut savoir que ça, c'est mon compte Oddsportal, les gars. Pour rappel, Oddsportal, c'est avant tout un comparateur de comptes en ligne qui est super pratique. Encore une fois, tu peux mettre des alertes. Tu te crées un compte gratuitement et tu peux te mettre des alertes, hein, si jamais ça touche certaines cotes. Ensuite, ça peut permettre de te positionner ou autre, ou d'aller analyser ensuite. Clairement, les gars, ne suivez pas les tipsters qui sont là-dessus. Ça m'a fait rire, je suis tombé sur un TikTok d'un gars, d'un scammer qui vendait des trucs dans le betting, enfin, qui sans scrupule, qui était là en mode « Les gars, Oddsportal, c'est infalsifiable !» Alors que si, en fait, complètement, c'est complètement falsifiable. À partir du moment où tu connais les codes ou que tu sais comment ça marche, c'est très facile de tricher. Il faut savoir qu'en plus de ça, bah vous voyez par exemple, moi mon exemple, là j'ai pique, en gros ça prend la cote la plus haute, ok? Donc 3,34. Sauf que quoi? Qu'est-ce qui se passe en général? Les gens... Oh putain, il y a quelqu'un qui a parié sur Pinnacle, la cote elle a chuté à 2,8. Énorme. C'est-à-dire que quelqu'un a parié sur le nul ou quelqu'un a parié sur le under. Parce qu'en général, plus le under est bas, plus le... Quelqu'un a parié sur l'under, attendez, Pinnacle. Ah bah regardez, waouh. Il y a quelqu'un qui a fait betmax sur l'under. Il y a quelqu'un qui m'a suivi dans le chat. Je pense que c'est quelqu'un du chat en vrai. Parce qu'en fait, peu importe celui qui prend là, moi je l'ai pris à 1,63. Ça a chuté à 1,61, plus 1,57. Je pense que quelqu'un m'a suivi dans le chat. Mais vous voyez, c'est énorme en vrai là. Les values que vous pouvez trouver. Là les gars, ceux qui ont un compte en XBet, moi si j'avais un compte en XBet pas limité, en fait ils me font baisser les cotes, clairement. Voilà, 3,34, le nul sur ce match, c'est abusé les gars. Faut savoir que c'est un énorme écart entre là, bon là en ce moment c'est à 2,8, mais ça va fluctuer sur Pinnacle. Ah non, 2,78. Les gars, cette cote a pas de sens. Cette cote a pas de sens. Alors je sais qu'il y a sûrement des gens qui sont sur des sites du style aussi CasinoZer ou je sais pas, des sites un peu .com. Après, il faut savoir profiter de toutes ces opportunités pour leur prendre de l'argent à ces books et retirer. Moi, personnellement, tous ceux qui ont des comptes sur le .com, j'en ai aussi. Hein.
Et c'est accessible depuis la France. C'est juste, bon, au niveau de la législation, c'est un peu chelou. Mais en tout cas, moi, clairement, mon avis, c'est que c'est plus ces bookmakers-là qui peuvent être emmerdés que les joueurs. Nous, en soi, si le bookmaker nous laisse créer des comptes et jouer, voilà, on fait ce qu'on veut, quoi, j'ai envie de te dire. Et donc, ce qui se passe, c'est que moi, donc, je vous conseille sur tous ceux qui ont des sites.com. Je parle pas de Pinnacle et Betfair hein, via Asian Connect, je parle pas de ça, mais je parle surtout des comptes type 1xBet, type MyStack, Stack, 1win, je sais pas, y a plein de bookmakers sur le .com qui autorisent les Français, style YoniBet, des trucs comme ça. Vraiment, ne laissez pas trop d'argent dessus, les gars. Parce que ma confiance envers eux, elle est, on va dire, très limitée. Et ne croyez pas ceux qui vous disent, ouais, c'est 100% fiable, non. Parce que les bookmakers.com, ceux-là en tout cas, s'ils veulent vous la mettre dans l'os, ils vous la mettent dans l'os. Et clairement, plus tu laisses d'argent sur le compte, on va prendre l'exemple de Unibet, j'ai pas de compte dessus, j'en ai jamais eu d'ailleurs, mais plus tu laisses d'argent sur Unibet, au plus il y a un risque de scam qu'à un moment donné, t'arrives pas à tout retirer. Et croyez-moi, hein, alors là, vous pouvez faire tous les combis que vous voulez sur Unibet, si jamais vous gagnez 100K, je peux vous garantir une chose, hein, alors peut-être que les influenceurs qui ont des partenariats avec eux vous diront le contraire, je peux vous dire que vos 100K, sous le nez, hein, tu te les prends. Franchement, il n'y a pas un cas où ils vont pas y rond. Et puis voilà. Alors que sur le point .fr, bah oui. Donc moi, ce que je conseille, c'est de ceux qui jouent sur le point .com. Moi, je le fais et je l'ai fait. Et j'ai pas de problème avec ça. En revanche, ce que je fais tout le temps, c'est je dépose. Voilà, je dépose, je parie. J'essaye de pas avoir trop d'argent dessus. Si ça gagne. Bon, pour des fois ça perd, ça perd. Bon, t'as perdu ton argent, on s'en fout, hein, y a pas de débat. Mais quand les bêtes y passent, quand les bêtes y passent, moi personnellement, je laisse jamais trop d'argent dessus, tu vois. Genre, j'évite de laisser trop d'argent. Alors, faut savoir entre guillemets combien t'es prêt à perdre ou autre. Mais je laisse jamais trop d'argent dessus et je retire, voilà, parce que forcément l'argent, en général, c'est en crypto. Hein, le mieux, je vous conseille d'ailleurs en crypto, USDT, dollar. Mais voilà, enfin, ne laissez pas trop d'argent dessus. Voilà, c'est tout ce que je vous dis, tu vois. En gros. C'est une petite prévention qui ne mange pas de pain, bien sûr. Quel est l'intérêt de miser sur le point .com? Alors, ben, comme dit Telio, avoir des meilleures cotes. Ça, c'est la base. Hein. Genre, clairement, moi, si j'ai un compte .com, alors après, c'est des démarches et tout, c'est chiant. Hein, mais clairement, là, vous voyez, là, c'est à 3,34 sur un XBet. Alors, peut-être que ça l'est pas. Peut-être que Odds Portal. Des fois, Odds Portal, il bug un peu. C'est-à-dire que des fois, il te laisse une cote haute sur un book. Et alors qu'en fait, quand tu vas sur le book en question, c'est pas du tout le même prix, quoi. Donc voilà. Et donc voilà, pour revenir sur ce match, un tipster, donc moi j'ai pick. Moi en fait, Odds Portal, c'est top pour essayer des stratégies. Un XBet m'a viré juste pour 1K. Ouais, bah moi c'était 2 ou 3K à l'époque. Enfin, ils m'ont pas viré en soi, mon compte il est toujours actif, mais ils sont plus subtils que ça, c'est-à-dire que moi j'ai des cotes plus basses, quoi, tout simplement. Et donc voilà, les tipsters Odds Portal, même quelqu'un qui... D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus, les gars. Lors d'une émission, j'ai fait toute une... Il faudrait que je retrouve la vidéo pour vous montrer et faire une section temps fort de ça. Mais en gros, j'expliquais à quel point même un tipster, entre guillemets, honnête sur Odds Portal, qui pique bien à chaque fois que c'est disponible sur Pinnacle et tout, bah vous voyez que là, moi, quand je pique, dans mon bilan, il va y avoir marqué 3,34. Or, bah, je peux l'avoir au plus haut ici à peut-être 2,8, tu vois, et sur Betfair... Et là, il y a marqué 3,15, il y a un petit ordre ridicule. Mais bon, avec le rake, c'est moins que ça. Donc au final, tu peux toujours facile enlever 5-6%. D'ailleurs, il y a un mec qui s'appelle CQC sur Blogabet, qui est là et qui a un bilan honnête. Il a 3% sur Pinnacle. Et pourtant, sur Odds Portal, il pique tout pareil, il a 10%, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai expliqué justement que sur un bilan, ce qui est affiché, entre guillemets, le tipster qui t'affiche son bilan sur Odds Portal, ce qui va être affiché, ça va être le bilan pris en prenant à chaque fois la meilleure cote possible. C'est-à-dire que là, ça me prend 3,34. Or, bah en fait, je peux pas l'avoir à 3,34. Et c'est comme ça pour tout. Et je dirais même que des fois... Ah, il y a quelqu'un qui a dû suivre. Les gars, la cote, elle a chuté. Et je dirais même... je sais plus ce que je voulais dire. Enfin bref, un jour, si vous voulez, si ça vous intéresse, je vous referai un cours entier sur les bilans Odds Portal. Mais en général, ce qui est vraiment top avec Odds Portal, et moi c'est comme ça que je l'utilise pour développer mes stratégies, c'est-à-dire qu'en gros, si jamais je développe un modèle sur les over-under ou autre, et que j'ai envie de l'essayer sur un sample de 200-300 matchs, ce que je vais faire, c'est que je vais pique sur mon bilan Odds Portal, et en gros, ça va permettre de suivre ma stratégie, et de voir qu'en gros, si j'avais parié, je prends la cote de Pinnacle, par exemple ici,
dans profil ou dans my prediction, je sais plus. Non, non, c'est dans, pour aller dans mes stats. Tu vois, tu vas là. Et en gros, par exemple, ça te permet de voir. Tu vas dans ROI. Ça, c'est que sur les comptes publics, tu vois ça. Tu vas dans ROI by Bookmaker. Tu regardes sur le tipster. D'ailleurs, on l'avait montré, on avait vu des profils. Le mec, il avait genre 40% de ROI ici. Non, peut-être pas 40, mais 20 et 0 ici, tu vois. En prenant la moyenne, ça, c'est quand même vachement important aussi de prendre la moyenne. Vous voyez que même moi, par exemple, si les gens regardent mon compte, bon, il est privé, mon compte, mais s'il était public, les gens verraient 12%. Waouh, incroyable. Alors qu'en fait, déjà, si tu prends l'average de tous les books et qu'on prend la cote moyenne, on voit qu'il y a déjà plus de 6% d'écart. Et aussi, il faut regarder ROI by Bookmaker. Tu regardes si le mec, il a beaucoup pique lorsque c'était sur Pinnacle. Là, on voit que j'avais 434 piques. Sur Pinnacle, quand j'en ai piqué 468. Yo, Hatch 70. Mais encore une fois, moi, je vous dis pas, regardez mon bilan, ça c'est mon ROI normal et tout. Non, moi, je l'utilise pour des stratégies. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je l'ai beaucoup reboot aussi. C'est que d'ailleurs, à un moment donné, tous les mois, je rebootais parce qu'en gros, je tentais des stratégies. Et en gros, je prenais les cotes et je regardais si j'avais battu beaucoup la cote de fermeture ou pas. Et ça me permettait de peaufiner, entre guillemets, mes modèles et mes stratégies. Voilà. Voir s'il y avait des biais du marché, voir s'il y avait des trucs qui marchaient ou pas. En gros. Ok, donc on va en Brésil série B. Je vais regarder sur le côté les bêtes que j'ai pris pour moi. Putain les gars, on est 36, c'est vraiment énorme. Donc j'ai... Alors là, je me suis lâché sur futur, le match égyptien, je me suis lâché. Hein. J'ai pris le 0-0 à la mi-temps. J'ai pris le 0-0 score exact. Et j'ai pris le under 2,5 à 1,63. Là, je me suis un peu lâché, j'avoue, j'aurais pas dû me mettre autant, mais... Alors, CRB, ah bah tiens, c'est les matchs à minuit. Donc, Londrina, j'ai pris, on va aller sur Londrina, bah tiens, celui-là. J'ai pris l'under à 1,64, under 2,5 buts, on va voir à combien c'est. Ah, c'est monté entre-temps quoi. Je sais plus. Je l'ai pris à 1,64, c'est un peu remonté. Je vais aller checker au niveau de mes modèles combien ça vaut, si entre-temps, avec la mise à jour, ça a changé. Allez, on va du côté du Brésil. Évidemment, hein, je tiens juste à rappeler que quand je vous donne mes projections sur un match, ça n'engage que moi. C'est-à-dire que je peux me tromper, je peux avoir juste, ça n'engage que moi. Hein, voilà. Et moi seul. Donc on a dit quoi, Londrina, série B. Et je vais aussi aller voir les matchs ici, Brésil. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, vous voyez mon écran. Londrina, il est là. Attendez, je vais vous changer. Je vais me connecter pour voir un peu s'il n'y a pas une dinguerie. Pour vous voir si je vous conseille de me suivre ou pas. En tout cas, moi, je lui ai 1,64. C'est 1,63 sur Pinnacle. Donc, ça me paraît OK, en tout cas, par rapport à ce que j'ai pris. Forcément, ça n'a pas trop chuté. Donc, c'est good. Par contre... alors, Londrina... Putain, il leur manque leur premier gardien quand même, assez rare. Hein. Il leur manque leur premier gardien, il y a des défenseurs out. Il y a eu combien de journées de fête ici au Brésil? Je crois que c'est le tout début, il y a dû avoir 6 matchs, 6 journées je crois. Pas plus. 7-8, ok. Londrina, ils sont où? Ceará, Londrina. Ouais. Ici c'est un peu chiant parce que dans ce spot précis, j'avais pas les compos hein, au niveau où j'ai check hier, où j'ai check et où je me suis positionné. Là on voit qu'ils ont leur premier gardien qui est out, je sais pas ce qui s'est passé du côté de l'équipe à l'extérieur. Le premier gardien, donc enfin leur gardien titulaire qui est out, avec un défenseur out ici, c'est pas ouf en vrai. C'est pas ouf l'histoire là. Ça va un peu contre mon bet parce que forcément des... Attendez, je vais voir, j'ai dû louper des questions. Pourquoi tu préfères jouer le .com que le .fr? Moi j'ai dit ça? Bah moi je joue les deux en fait. Enfin il n'y a pas de... Tu vois? Je joue les deux donc je vais là où c'est la meilleure cote, là où c'est le mieux. Voilà quoi, ça tout dépend des matchs. Salut Franck, comment vas-tu? Yo Hadj. Ouais, belle douille hier. Ouais bah ouais, Barça c'est une douille. Au dernier moment j'ai pris premier buteur Lewandowski à 4.4 parce que c'était au-dessus du marché. Et en fait je me suis... j'aurais pas dû le prendre au vu des éléments extérieurs. Du coup, tu as déjà fait les cotes boostées? Si oui, tu en as pris certaines. La seule que j'ai prise, c'est... enfin, la seule, il n'y avait rien d'intéressant. La seule que j'ai prise, c'est sur Unibet, les deux frères Lebrun en tennis de table qui gagnent cote à 4.5. C'est la seule que j'ai prise, car au moment où je checkais les cotes,
C'était value selon le marché. Donc j'ai pris, tout simplement. Oh là là, ça vous régaler les gars. N'hésitez pas à follow la chaîne hein, pour être averti dès que je lance un live. Vous connaissez la quotidienne maintenant. Hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est tous les jours du lundi au vendredi à partir de 15h. Voilà l'émission. Londrina, ce spot est chiant là. Hein. Le spot il est chiant. Je ne sais pas si je vous recommande de prendre l'under comme moi quand je vois qu'il manque leur premier gardien. Bon après pour l'instant l'under n'a pas trop bougé, je sais pas. Moi je l'ai pris. Hein. Putain, en plus la cote, putain, c'est Ara, ils ont l'air d'être en pampa et pourtant. Et pourtant la cote là elle monte. Et moi, qu'est-ce que j'ai en projection sur les 1x2? Enfin sur les. Ah ouais, faut parier en faveur de Londrina là. Moi ici en but espéré, c'est ça, j'ai max du 2.1. C'est le maximum que j'ai. Donc 2.1, je crois que ça donne. Ouais, ça donne moins de 1.6. Et encore, je suis plus proche de 2 que 2.1. En termes de but espéré, moi j'aurais coté plus à 1.5, mais là quand je vois les infos, c'est vraiment pas ouf là. Hein. Là, clairement. Je suis en train de regarder combien ça vaut d'ailleurs par rapport à l'an dernier, par rapport au marché. Waouh. Ouais, je suis pas d'accord là. Je suis pas d'accord avec le marché là au vu des. C'est Ara trop bas. Hein. C'est Ara est trop bas là. Et par rapport à ce que j'ai, hein, évidemment. Ouais. Ah ouais, vaut. Ah ouais. Putain, j'ai presque envie de miser sur Londrina au nul. Je vais le pick ici, clairement. 1,46. Je vais le pick sans le prendre forcément. Après, donc ici, qu'est-ce que j'ai parié en perso? Attendez, je regarde juste à côté. En perso, ouais, j'ai pris déjà l'under. Ouais, j'ai mis l'under. J'ai mis 350 balles sur l'under. Et ouais, je comprends pas la cote. Je viens de voir, là, je comprends pas la cote. Attends, pour revenir à une CB, tu en penses quoi de la CB, les deux? Les deux équipes marques, Séville, Elche, pardon. Et Villarreal Cadix. J'ai pas regardé, je l'ai pas regardé, celle-là, je l'ai pas check. On peut, je vais le check après, attends, laisse-moi juste 2 secondes. Après, là, on est en début de championnat. Si je prends les stats de la saison, il y a clairement value en faveur de Londrina, enfin, du moins, de parier contre Ceará. Le problème, c'est qu'il y a eu très peu de matchs, pardon. Donc, en gros, forcément, si je prends les stats de cette année, c'est pas forcément leur niveau réel direct, mais en tout cas, là, au niveau des performances, c'est. Ceará, je comprends pas. Hein. L'an dernier. En plus, l'an dernier. Après, Ceará, ils descendent, je crois. En plus, j'ai pas les stats de l'an dernier parce que Ceará était pas dans la même division l'an dernier. Il me semble qu'ils étaient en première. Et là, ça va être compliqué. Mais là, c'est vrai que si je devais me positionner en. Putain, au niveau des over-under. Et d'ailleurs, même l'équipe à domicile, au niveau des over-under, en vrai, sur les stats de l'an dernier, c'est même plus bas que ça. Donc je suis plutôt confiant au niveau des under malgré cette info qui casse les couilles là, l'autre il leur manque leur gardien quoi et ça c'est ouf. On connaît pas forcément le niveau du gardien remplaçant qui est en général moins bon. Ici ils ont un défenseur out et c'est à peu près tout là ils ont. Ouais. Je pense que je vais mettre là je vais manquer de certitude mais je vais me fier quand même au stade que j'ai là à mon modèle prédictif et là clairement j'ai Ouais, clairement, j'ai. Il faut. Yo, salut Franck, ça va Lucette, comment ça va? T'as mis un billet sur Pouille et y a une value sur Pouille code boosté? Je sais pas. Non, enfin, non, j'ai rien mis sur Pouille. Hein. Après, s'il y a une code value, n'hésitez pas à me le dire. Enfin, si vous pensez qu'il y a un truc, n'hésitez surtout pas à me le dire et à rejoindre mon Discord aussi, les gars. Pareil en live, il perd. D'accord. Non, bah j'ai pas parié. Parce qu'il était fin nul le Barça ou juste laisse gagner. Pas de soucis, t'inquiète, ma question passe après. Bah j'arrive là, ta question je vais la faire. Mais là, à mon avis, faut parier en faveur de Londrina. D'ailleurs, je vais voir un peu ce que disent les gens sur Blogabet. Ça m'intéresse pas mal de voir aussi ce que vont dire les gens sur Blogabet sur ce match. Si ça peut me conforter, on va dire, dans mon choix, si je vois que par exemple. Attendez, on vous voyait pas mon écran. Ah, lui parie en faveur. Ah bah tiens, lui il est contre moi. Il a parié il y a 2 heures. Qu'est-ce qu'il dit de beau, lui? Oula. Ah oui, il a trop parlé, lui. Ouf, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, Ceará a fait un mauvais début de championnat. Bah, c'est ce qu'on voit sur les cotes. Mais j'imagine que c'est pas leur niveau réel. C'est pour ça que moi, selon mes modèles, je vois... Ouais.
Ok, lui, pour lui, il y a value contre moi. Enfin, il est contre moi. Lui aussi. Bah, après, lui, il a pris Seara plus Tanzian Handicap 0. Putain, ouais, non, lui, il s'est planté au niveau des cotes. Il a pas du tout pris la meilleure cote, je pense. Ouais. Mais en tout cas, ça parie en faveur plus, donc ouais, je vais peut-être m'abstenir. Mais au niveau de l'under, je suis quand même très confiant, bref. Il était poussé de fou par le public, c'était sûr. GG pour la cote boostée d'hier, Franck. Ah oui, tu parles de Gérone. Ouais, Gérone, elle fait plaisir. Envoie-moi des MP quand tu déniches des petits trésors. Bah après, si je dois des MP tout le monde, faut essayer d'être là lors de mes lives. Après, je vais essayer d'y penser, hein, Lucette, mais je te promets pas que je vais le faire tout le temps. Et je l'ai posté sur, dans mon Discord, hein, dans la catégorie code boosté. Hein, je l'avais posté hein, directement. Hein, dès que je l'ai trouvé, je l'ai posté. Hein. Ouais. En fait, bon bref, pour revenir sur ce match, on va aller voir la code boostée tout à l'heure. C'est ça qui est très chiant, c'est que là, je peux que me fier au stade de cette année. Car l'équipe à l'extérieur, elle ne jouait pas dans la même division. Et ouais, c'est compliqué. Donc là, forcément, je me fais au stade de cette année. Il y a value sur, en faveur de Londrina. Mais là, au vu du marché, non. Neidou l'avait mis sur son Discord aussi. Yep, il l'avait mis après du coup. Parce que bah, d'ailleurs, on s'était MP pour le coup pour donner notre avis sur ça. Merci pour le follow, les gars. Hein. Merci, 1298e. Inopri, ça fait plaisir. Inopri, ça n'a pas de prix. Nul à chier. Alors, il avait... Alors, attendez, hein, là, j'essaye de tout lire, les gars. Putain, presque 2 heures d'émission, déjà. Donc, le Bibitzer, je vais aller voir ça, la CB, les deux marques sur Sevialcie, c'était sur Wina ou pas? Ouais, c'est ça. Je te la check même pas, c'est sûr que c'est pas value. C'est sûr que c'est pas value. Pareil, les deux équipes marques sur le .fr, c'est très reiké. Là, je peux te checker si vraiment tu veux, mais je vais trouver peut-être 3.5 et on va dire ouais, c'est pas value, tu vois. Ah ouais, c'est sûr que c'est de la merde. Mais on va voir. Hein. Elche, Séville et Villarreal Cadix, je vais te dire ça. Mais je suis presque sûr que c'est V moi. Alors après, on va voir. Hein. Peut-être que les codes vont me faire mentir. Allez, on va voir ça. Bah, c'est très simple à vérifier, hein. Tu regardes le BTTS. À 1,69, 2,23, putain, attends, c'est en train de bouger. Pourquoi ça bug comme ça? Non, mais t'inquiète, mais y a pas... Non, bah perds pas ton temps, on sait jamais en vrai. Hein. 1,74, si on transforme en 100%, ça doit être du 1,8 ici. Et ici, putain, là ça a chuté, hein. 1,8, genre si je fais ça. J'obtiens genre au bas mot. Hein. J'obtiens du 3.15 au bas mot. 3.15, donc c'est EV moins. Voilà, je l'ai fait un peu vite fait de tête sans sortir la calculette, mais ça vaut ouais, 3.15. Ouais. Après, si ça chute, si ça continue à chuter de ouf, il n'y a pas non plus un énorme écart, on va dire, entre 3.15 et 3. Si jamais la cote, elle chute de beaucoup, ça pourrait être un bon spot, clairement. Ça peut. Mais là, aux codes actuels, non, on n'y est pas là. Putain, on est encore 35. Je sais pas si j'ai loupé des questions. Lance cote à 10 000 pour gagner la Ligue 1, ouais, ça va être compliqué. Mais cote à 10 000, ça peut valoir le coup. Alors, il avait la cote à prendre. Il y avait Lance Ajaccio, le plus de 2,5 buts. Je me rappelle pas, attends, ce match, il a pas été joué, Lance Ajaccio aussi. Oh putain, ah oui, ah, tu voulais me dire qu'il y avait un spot à prendre et que maintenant ça a grave chuté. Je pense que c'est ça que tu voulais me dire. Eh ouais, bah ouais, bah Lance, je vois. Le spot. Ouais, c'est samedi. 1,74 brut. Ah, tu veux dire que c'était sur une cote boostée et qu'ils l'ont enlevé? C'est possible ça. Hein. Non, bah non, il n'y avait pas de cote boostée, c'est samedi. Mais du coup, j'ai pas compris ta remarque. Le plus de 2,5 buts pour Lance. C'était brut, bon bref. Ouais, on va revenir. Yo, je file pas par ailleurs, merci pour tout. Et rétablis-toi bien, soigne-toi bien. Et comme je dis tout le temps, santé et bonheur, c'est le plus important. Et la famille aussi, c'est important aussi. Enfin, ouais, tout ce qui touche à tout ça, quoi.
Donc ouais, donc la seule cote boostée qu'on a prise, c'est sur Unibet, les deux Français Lebrun, les frères Lebrun qui gagnent respectivement leur match en simple, chacun de leur côté. Ça va être compliqué, hein, ça reste une cote à 4.5 qui va aller aux cotes actuelles 4.36, donc ça reste quand même une cote qui va passer même pas 25% du temps. Donc voilà, ceux qui me suivent, ne vous foutez pas dans la merde à parier gros. Enfin gros, jusqu'à 50 euros en tout cas, je sais que 50 euros pour certains ça peut être beaucoup les gars, donc... voilà, n'oubliez pas que même une cote à 4 qui est value, même si c'est une grosse value, elle va plus souvent pas passer que passer, ok? Ça c'est quand même la base. C'est la base. Donc on était au Brésil. Donc ouais, moi je vous ai pris putain Londrina avec le gardien out. Mon under, il est peut-être pas si terrible que ça, ça casse les couilles. Mais bon. Bon, en même temps je savais pas, j'ai parié sans prendre... j'ai voulu anticiper et ne pas attendre les compos. Et là c'est vrai que quand je vois le gardien out, un défenseur titulaire probablement out, ça fait mal au huc. Et là on voit que ce match d'ailleurs il commence à 20h30 aujourd'hui. Attendez, je vais voir l'under. Bon, ça va en ma faveur, c'est cool. Bon, là c'est un 57, ça veut rien dire, ça peut bouger encore. Moi je l'ai eu à un 63. On va voir combien ça termine. Mais clairement un VGG, ceux qui ont pris le spot à 3.34 du match nul, bah moi j'ai pas pu le prendre, hein, mais voilà. Alors qu'est-ce que moi j'ai en bet aussi? Donc j'ai aussi... Ah, j'ai un bet aussi, c'est CRB. Je vais aller voir ça. J'ai pris l'over. J'ai parié en faveur de l'over sur le match de CRB. C'est Brésil Série B. On va voir ça, je vais vous dire ce que j'en pense. Parce que c'est possible que j'ai pris des bets et qu'ils soient pas terribles au final. Alors. Qu'est-ce que j'ai pique aussi ici sur... Bah il est où? Je l'ai pas pique? Je suis con quoi? Bah j'ai pas pique, incroyable. Ou alors je suis passé devant sans le voir. Ah non, il est là, ok. Il est là, je vais vous dire ce que j'en pense. Je me suis positionné sur l'over 1.5 ici. À 1.50 je crois. Je crois que j'ai pris 1.50. Attendez, je vais regarder à combien j'ai pris. Et je vais voir maintenant avec les groupes si je vous recommande aussi de suivre. Ah ouais, là j'ai parpaing, j'ai mis 463 là. Sur l'over CRB, je vais voir ce que j'en pense au niveau de mes modèles mis à jour. Et voir s'il n'y a pas une Yoku. On attend. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? C'est vrai que ouais, par rapport au stats sur la saison, depuis le début de la saison, il y a quand même beaucoup plus de buts espérés que ce qui est dit ici. Clairement. D'ailleurs, c'est un poil en train de monter là. Attendez. C'est vrai que par rapport à l'an dernier, j'ai plus du 2.1, mais là, depuis le début de la saison, c'est quand même beaucoup là en but attendu. En but espéré, donc on a dit quoi? CRB? Est-ce qu'il y a des absents? Il y a un truc? Attendez, il est où? CRB. Ah non, peut-être que j'ai pas le... Ah, CRB, c'est là. Ouh là, on a du défenseur de out. Ah, dommage, on a un attaquant out. Ça va pas en notre faveur quand tu paries un over, quand il y a un attaquant titulaire out. Mais là par contre il y a du monde de... Putain, il manque du monde là, hein, du côté de CRB. Je vais voir si j'ai pas probablement un spot. Après pareil, Vitória, ils étaient pas là l'an dernier. Si je me fie au stade de cette année, pareil, il y aurait value de parier en faveur de Vitória, je pense. Non, quoique non. Non, la cote elle est basse. Non. Je suis à peu près ok avec les cotes sur le 1x2. Mais en revanche, l'under, ici, il est un poil bas. C'est pour ça que je me suis positionné sur l'over 1.5. Je l'ai pris à combien? Je l'ai pris à... Ah bah, 1.49. Je l'ai pris à 1.49. Donc clairement, s'il y en a qui veulent me suivre, pour moi, c'est un poil haut. Après, là, encore une fois, c'est début de championnat. C'est peut-être pas révélateur de leur niveau... théorique aux deux équipes, que ce soit en but espéré ou leur performance. Donc petite mise quand même, mine de rien, ici si vous souhaitez me suivre. Bon, après ça reste une petite cote qui va passer plus souvent que ce qu'elle va perdre, mais voilà, au cas où il y a une erreur. Qu'est-ce que j'ai ici? Ouais, non, bon, moi j'ai plus du 2.4, hein. Pour moi l'under il devrait être plus au niveau de 1.7 ici. Alors ça reste pas grosse value, hein, mais pour moi l'under devrait être plus coté au niveau de 1.7, ce qui nous donnerait
Bah du coup un over plus bas. Et c'est pour ça que je me suis positionné sur ce match. Qu'est-ce qu'on va avoir après? Ici on a l'under sur ce match. Je peux vous dire ce que j'en pense, Villanova. Après si la cote a déjà chuté, ça sert à rien. Ou la cote elle a même un poil augmenté. À combien je l'ai prise moi? À combien on l'a prise? Attendez, deux secondes. Ituana. Attendez. Villanova, pardon. Ituano. On va voir ce que j'ai ici, si c'est plus précis. Je vais voir par la même occasion à combien j'ai pris la cote. Ou peut-être que j'ai pas pris, hein, parce que c'est moi aussi, en fait. Faut savoir que tout ce que je pique dans mon bilan ici, c'est pas parce que je pique que je suis 100% sûr que c'est value et que je prends. Hein. Je pique dans un premier temps, quand il y a un écart avec mes modèles et enfin mes projections et le marché, je pique. Et seulement après, j'analyse plus en profondeur pour voir en gros si je prends ou pas. Et non, j'ai pas pris. Non, non, j'ai pas parié dessus. J'ai pas parié dessus. Bah, peut-être que vous allez pouvoir me prendre le bet en direct. C'est pas impossible. Si, évidemment, je considère que c'est value ou pas. Là, déjà, on voit que ça a légèrement monté. Attendez, Ituano. Non, j'ai pas parié dessus. Donc, allez, on va voir en direct. Villanova Ituano, qu'est-ce que j'ai? Match à under de fou, évidemment. Putain, là, si je regarde l'an dernier, c'est... Waza. C'est moins de 2 buts espérés, quoi. Genre, ça donnerait un under clairement à 1.4 ici. Si je me fie au stade sur la saison dernière. Chose que je peux me permettre de faire. Pourquoi? Parce que les deux équipes, elles étaient dans le même championnat l'an dernier. Et forcément, du coup, je regarde un peu les stats sur l'année dernière également. Et je les imbrique avec celles de cette année. Et je vois que cette année, on est bas aussi en but espéré. Hein. Je comprends pas la cote, là. Je comprends pas l'under. Le match, il est à minuit, c'est ça? Ouais, Je vais regarder au niveau des blessés suspendus. Villanova et Ituano, qu'est-ce que j'ai? Putain, il manque un attaquant. Ici. Attendez, je vais regarder parce que quand même, ça me surprend un peu. Ah ouais, non, mais j'ai du 2. Hein. J'ai du 2. Non, là, je vais prendre. Hein. Je vais prendre 1.6, c'est un peu trop haut, là. Attendez, je regarde un peu. Qu'est-ce que j'obtiens du 2? Non, j'obtiens du 2. J'obtiens du 2, là. Là, ça, je vais le prendre. Je pensais que je l'avais pris, d'ailleurs. Je suis assez surpris. Ou peut-être que j'ai oublié de le noter. Le match, il est là à minuit. Victoria, CRB... Et Londrina, ouais, je le prends l'under aussi, hein. Pour moi il est haut là. Pour moi il est haut. Je sais pas si tu as répondu, pourquoi tu préfères être sur le .com que le .fr? Bah déjà sur le .com en moyenne les cotes elles sont plus hautes. Déjà ça c'est le premier élément. Villanova et Ituano, c'était bien ça, que je me trompe pas de match. Après, ouais, attends. Non, c'était pas celui-là, attendez. Ouais, si, c'est celui-là, pardon, j'ai rien dit. Et d'ailleurs, par la même occasion, c'est pas impossible que l'under, que le nain soit trop haut. Mais là, c'est plutôt au niveau de... Attendez. Je vais regarder un peu plus en profondeur. J'ai du 2.2. Là, il y a moins de buts. Pareil, ça marque moins. Je devrais voir. Ouais. Non, c'est un match à under ici. C'est un match à under. À combien il est? Sur Pinnacle, 61. Ouais. Hop là. Allez, ici c'est pris. Ça y est, c'est pris. Je viens de mettre 400 balles à 1.61 sur l'under. On verra, good luck moi, et ceux qui suivent évidemment. Ah bah tiens, je vous ai pas montré. Je l'ai pris ici, sur Molybet. On est là,
400 balles sur ce match. Villanova à 1,61. Ouais, j'ai clairement, je suis pas du tout en accord avec les codes du marché ici. On verra, hein, le match il est dans 7 heures je crois. Et donc voilà, on s'est positionné, il faut voir que je le note après d'ailleurs. Et ça y est, je me suis positionné. Potentiel value sur le N. Je la trouve un peu haute, mais je vais avoir moins de certitude au niveau des performances réelles des équipes, enfin surtout de leur niveau réel des équipes sur cette saison. J'ai quand même quelques matchs de sample, mais pas assez, je pense, sur la saison pour me baser complètement dessus. Donc quand il y a manque de certitude, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, j'allais dire on ferme sa gueule, mais on évite, quoi. Vaut mieux louper un bon bet que de prendre un mauvais bet. Pourquoi tu préfères être sur le .com que le .fr? Je suis sur les deux, en fait. Je suis sur les deux. C'est-à-dire que là, regarde, tu veux un exemple concret? Je vais te donner mon exemple concret. Yo, Shippership, comment ça va? Ça fait plaisir. Donc, pour le Bibitzer, regarde, ici, j'obtiens du 1,61, ok? Au niveau de l'under. Et ben, si je le prends sur BetClick, ah bah déjà, il n'y est même pas, ok? Bah déjà, sur le .fr, il n'y a pas, déjà. Mais j'en suis sûr que s'il y avait sur le .fr, le taux retour joueur serait beaucoup plus bas, et du coup, ben, si pour moi, c'est value à 1,61, et que BetClick ou autre me le propose à 1,50, bah, je ne vais pas le prendre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est la cote, c'est ce qui fait tout. Donc là, on a accès depuis la France à Pinnacle via un broker qui s'appelle Asian Connect, notamment. Si vous voulez vous inscrire, venez me voir en MP et je vous accompagne. C'est le meilleur moyen de me soutenir via mes liens d'affiliation. Et voilà. Tout simplement. Mais par contre, sur le .fr, ce qui est top, encore une fois, c'est ça va être profiter de certaines cotes boostées qui vont passer value, quoi. Donc c'est ça le but, c'est d'avoir c'est de profiter de ça, quoi. Bon, vous savez quoi? Je vais répondre à quelques questions. J'ai envie de... J'ai plein de trucs à faire là après. Donc voilà. Je vous assure tous les jours, les gars. Merci Killdreams pour le follow. Bientôt 1300. Ça fait plaisir. Voilà, je vous assure tous les jours 2 heures d'émission. On l'a fait. Il est 17h05. On a déjà fait 2 heures d'émission. Donc là, on va partir en talk un petit peu ensemble pendant 5-10 minutes. Pour répondre à des questions ou pour parler d'un sujet, si vous avez des questions, c'est maintenant, les gars. Je posterai, évidemment, cette émission, le replay, sur ma chaîne YouTube. Et voilà. Comme ça, pour tous ceux qui n'ont pas vu l'émission, vous pouvez le voir sur Twitch gratuitement ou sur YouTube gratuitement aussi, évidemment. Et du coup, ça vous permettra voilà, de voir un peu de quoi on a parlé. Aujourd'hui, c'était cool parce qu'à un moment donné, on a parlé donc beaucoup prévention par rapport aux bookmakers FR et surtout par rapport à l'hypocrisie des bookmakers français qui mettent en danger beaucoup, beaucoup de gens en les laissant parier des dizaines de milliers d'euros sur une cote, chose que je trouve inadmissible, clairement. Donc, on a parlé de quoi? On a parlé un petit peu Odds Portal. Les bêtes, on s'en tape. Tu pars quand en vacances à Medellin? Alors, c'est pas prévu tout de suite, mais moi, franchement, je vis le moment présent et à tout moment, ça peut... Voilà, à tout moment, il peut se passer plein de choses dans ma vie qui fait que je peux bouger ou autre. Mais Medellin, ouais, j'aimerais beaucoup y aller un jour. Après, voilà, tout dépend des destinations, parce que quand t'es en couple ou célib, c'est quand même pas la même chose. Voilà, tu vis pas les choses de la même manière, on va dire. Alors, on est combien encore? On est combien, les gars? Putain, on a encore une trentaine, les gars. Merci beaucoup, hein, vraiment merci. Parieur a joué un grand rôle sur ce stream aujourd'hui en partageant sur son Discord ma chaîne. C'était vraiment super sympa de sa part. Il n'était pas obligé et ça prouve, enfin ça montre entre guillemets qu'il aime mon contenu et ça fait vachement plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas hein, si vous avez quelques questions. Je réponds et après je vais rendre l'antenne pour vous retrouver. Trop de pubs sur les bêtes à la télé, ils laissent trop faire. Ça m'étonne pas. Par contre, ce qui me choque, c'est du coup, une fois que t'as un compte joueur, il y a trop de pubs. Alors oui, ouais, objectivement, c'est vrai qu'il y a trop de pubs, mais c'est pas ce qui me choque le plus. Personnellement, ce qui va me choquer le plus, c'est Yo, I shave you 62, tu verras le replay. On arrive en fin d'émission, mais merci d'être là, merci de passer. Bah écoute, tous les jours, c'est le talk show betting, les gars, du lundi au vendredi. Je tiens vraiment à tous vous remercier parce que les gens qui viennent sur la chaîne, vous avez tendance à rester et à apprécier mon contenu. Et ça, c'est vachement bien. Merci à tous ceux qui partagent, que ce soit des liens, qui viennent sur le Discord, qui soutiennent. Enfin, rien que d'être là et de discuter dans le chat, c'est un soutien et je vous en remercie.
Oui, j'irai voir, top, je le mettrai après. J'ai quelques MP à surveiller d'ailleurs, là. Il y a deux personnes qui m'ont MP que je vais aider. Bon, je vais manger entre-temps, hein, donc ne vous étonnez pas si je vous contacte un poil plus tard. Mais c'est le premier truc que je vais faire une fois que j'ai mangé un bout et tout. Voilà. Ça, c'est vrai. Trop de mecs regardent les matchs en pensant bête et oublient de profiter et savoir les matchs. Ça, c'est vrai. Attendez. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah tiens, je sais ce que je vais faire. Hop. Bon les gars, vous me retrouvez demain. Hein. Demain les gars, vous me retrouvez. Regardez bien le live. Je vous envoie chez Lictic TV. Voilà, regardez le replay si vous n'avez pas suivi. N'hésitez pas à me MP, à rejoindre le Discord, qu'on discute tous ensemble. Et franchement, moi je vous dis... Déjà tu nous quittes, ouais. Voilà, ouais, ça va, on a fait 2 heures d'émission. C'est toujours le minimum assuré, 2h10. Je vous dis les gars, à très vite et merci, passez une très bonne soirée. Ouais, je suis modé là-bas aussi, moi je peux pas dire. C'est un streamer poker? Ouais, poker et paris sportif. Je crois qu'il fait que des paris carrés. Alors attends. Bon, il faut le s'achète tout de suite hein, quand même. Ouais, il est très très sympa. Ouais. Ouais, c'est intéressant, un mec qui fait sur des paris sportifs et tout, c'est cool. Ça change. Par contre, c'est Franck sans le. Ouais, j'ai trouvé ça. C'est, ouais, mais genre c'est Franck sans C. Ouais. Ben voilà, c'est follow, mon frérot. Merci beaucoup pour le raid, hein, ça fait super plaisir. Je suis passé vite fait tout à l'heure sur le stream. Je lui ai dit, je partais go poker. Fallait que je switch entre les deux, c'est un peu galère. Yo, c'est un très bon mec. Merci, le Vivitzer. Enfin, j'espère que tu parles de moi. Ouais, peut-être tu parlais de Franck. Je sais pas. En tout cas, c'est vraiment sympa. Bienvenue à tous, on fait la review d'un Tornado que j'ai TF il y a quelques jours. Ok, on se fait squeeze ici par la mise en 1.